monde. Allez, bonsoir tout le monde. Salut. Bonjour. Le positiviste qui est toujours à l'heure. Putain, il est même là. Quel homme. Ouais. Je révise. Ben dites-nous si le son est bon déjà. Si, enfin positiviste, merci à toi d'être oui, présent. Si tout le monde peut parler un petit peu comme ça. Au vu de son prénom, son pseudo peut-être, ouais. Peut-il jamais répondre par la négative, peut-être. Ah oui, il est toujours obligé de dire oui. 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 Parce que du coup, voilà. Rasko, fais-nous une petite phrase. Hein, bonjour, pourquoi? Bah pour que Positivisme nous dise pour les niveaux de son. Mais il a dit le son est bon. Le son est bon, d'accord. Alors, wink. Wink, wink. Nickel, super. Bien, nous nous retrouvons en ce dimanche. Sacré. Youhou. C'est un signe. Non. Oui, non. Ça suffit les conneries. Ouais. Afin de jouer l'épisode 7. Qui l'eût cru, hein, de Vampire Slayers. Oui. Tout le monde. Surtout le vampire. Personne n'y croyait plus. Après une longue pause, les dimanches ont été, ma foi, occupés pour certains. Le statut social de certains a fortement évolué entre-temps. C'est vrai. Il y en a qui sont devenus des tarons. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, c'est beau. Bon, mais là, on est là pour des choses bien plus sérieuses, à savoir le jeu de rôle. donc, nous avions laissé nos aventuriers dans une étrange, originale merde noire. Situation, position, lors de notre précédente partie. Puisque nos trois chasseurs de vampires plus un, ils avaient un allié de fortune la dernière fois, mais l'ont-ils rêvé? N'est-il que le fruit de leurs hallucinations dues à la consommation, à l'inspiration de miasmes de mousse rouge? On ne sait pas. En tout cas, voilà, ils étaient sur la piste d'un strige, donc un type de vampire monstrueux qui hante le quartier gris, un quartier désœuvré au possible de Marienbourg, du doute canal de Marienbourg, un lieu en quarantaine puisque il sévit une épidémie mortelle d'une maladie inconnue. Bref, nos aventuriers se sont infiltrés dans le quartier malgré le blocus, ont commencé une petite enquête, ont repéré un peu les allées et venues de la créature et sont allés plus avant dans les souterrains afin de repérer un peu où se trouve sa cache, son repère. Mais ils y ont fait tout de suite des rencontres, ma foi, assez mouvementées, belliqueuses, bouponnues. Oui. En la personne d'un petit groupe d'esclaves Skaven qui fuyait un autre petit groupe de Skaven. Tout cela s'est passé dans le sang et dans la confusion la plus totale, mais assez bien pour nos héros, en ce qu'ils n'ont pas trop souffert de dégâts, je crois pas, hein, je ne sais plus trop. Non, je crois que ça a été plutôt bien géré. Je confirme, ça avait été un massacre unilatéral. Voilà. En même temps, bon, c'était de la piétaille en face. Mais, donc, potentiel side quest quant au Skaven présent sous le quartier où se répand une épidémie, hein, bien sûr. Ça, on verra si vous avez le temps, si vous avez envie d'en faire quoi que ce soit. Puis si on sera assez vivant pour s'en occuper. Possible, oui. Après, vous avez encore tous vos points de destin et tout. Peut-être que vous aurez envie de changer d'air, on ne sait pas. Alors, par contre, vous étiez bien enfoncé dans les souterrains, vous aviez, découvert la nature de ceci sous la ville de Marienbourg, composée de caches de contrebandiers, d'anciens étages, de bâtiments affaissés, d'anciens grands réseaux d'égouts à l'abandon. Vous y avez croisé des créatures endémiques sous la forme d'un espèce de varan blanc bizarroïde, choses comme ça, et puis, vous avez parcouru l'une des coursives d'un des gros égouts recouvert d'une espèce de mousse et de lichen phosphorescent rougeâtre. Bon, il y avait marqué danger partout, mais... pas assez gros. Ouais, c'était pas assez évident. Eh bien, nous avons Ilsa qui a...
dans une tentative de ce champignon. Oui. Peut-être Ilsa a-t-elle une espèce de curiosité irrépressible pour tout ce qu'elle ne connaît pas en espèce heureusement de scientifique. Qu'elle est sachante en plus, ouais. Voilà, c'est ça. Donc elle est allée venue titiller le truc, provoquant une espèce de de réaction en chaîne, puisque a priori l'organisme, cette faune là semble entièrement, cette flore plutôt liée les unes aux autres, quoi, et l'ensemble du couloir s'est animé, illuminé, et s'est mis à émettre des espèces de spores, à la fois, comment on appelle ça quand ça te gratte, pas abrasif, mais urticant, et fortement hallucinogène. Et nos trois aventuriers ont raté leur jet d'endurance afin de résister à la poison, enfin à l'effet hallucinogène. Et on s'était arrêté là-dedans, c'est-à-dire avec vos perceptions qui étaient fortement altérées. Vous y voyez, vous n'y arriviez plus trop à discerner qui était ami et ennemi, des formes démoniaques un peu au travers de visages. De vos amis qui est pourtant Yelfir par exemple qui essayait peut-être de vous qui avait réussi quand même à s'en sortir je crois effectivement lui avait résisté à l'effet bon par contre vous ne savez pas ce qu'il est advenu de lui et de alors non plus on ne sait pas de tout le monde parle là, nous non plus parce qu'on s'était laissé sur j'allais charcuter Ilsa si je ne dis pas de bêtises. Oui. Non, nous allons faire une ellipse concernant cette action. Ah, oh, Cherchucho, positiviste, nous dit que mon fond est plus fort que les trois autres. Ah, ça doit être peut-être. C'est normal, c'est la voix du MJ. Voilà, ouais. Logique. Elle doit supplanter toutes les autres. Oula, calmez-vous. Donc, certains d'entre vous ont-ils envie de faire une quelconque remarque sur ce qui vient d'être dit, un petit rappel de choses oubliées ou. Non, on déteste juste Chucho, c'est tout. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu jouer pendant cette semaine. Il a fallu qu'on discute, quoi. Après, on était quand même bien sur la piste du vampire. Ouais. Clairement. Non, oui, vous aviez, par rapport à la dernière. Vous aviez trouvé des traces, hein, effectivement, que vous aviez remontées. Donc, vous étiez sur la bonne piste, a priori. Il y avait des bruits plus d'avant et des odeurs de charnier un peu marquées. Et des bruits de créatures, a priori, enfin, pas une seule, des choses, d'autres choses devant vous attendaient encore. Oui, d'autres. On espère retrouver des personnes peut-être vivantes. Ou... Et dont le frangin d'Elfir, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Il y a le frangin d'Elfir. De ouais, des morceaux de son frère, parce que moi vivant, j'y crois pas trop. Mais... Et ouais. Oui, mais ou peut-être des choses qui ont peut-être été transformées, enfin voilà quoi. Donc, voilà. Mais il y a entre autres le frère de Elfir, mais aussi je crois qu'il y a une famille qui a complètement disparu sans laisser de reste, un truc comme ça. Effectivement. Et ça, on a toujours pas trouvé de piste là-dessus. Et les traces qu'avait laissées le Strige. Vous savez qu'il emmenait certains des cadavres aussi dans son repère pour une raison encore inconnue de vous. Regarde manger. Ok. Eh bien, nous allons reprendre cette aventure dans le monde fantastique des rêves hallucinogènes. Dans vos rêves respectifs, n'est-ce pas ? Nous allons commencer par ce qu'il se passe dans l'esprit de la jeune Ilsa, perdue dans les méandres oniriques de la drogue. De la méthamphétamine. Non. De la MDMA Tagana. Oh, c'est pas bien de se moquer de nos forces de l'ordre. Il mérite. Alors, j'ai une petite proposition indécente à vous faire, à chacun. C'est-à-dire que la nature de ce rêve va être tellement spécifique que vous allez pouvoir en ramener quelque chose. Oh non. Quelque chose de valeur. De grande valeur. Mais les emmerdes du coup de chance. Et si
vous pouvez en ramener quelque chose de grande valeur, vous pouvez aussi y perdre quelque chose de grande valeur. Un bras. Cependant, je vais vous laisser le choix de jouer ou de ne pas jouer. Puisque la valeur là n'est que pécuniaire, c'est-à-dire que vous allez, si vous le voulez, mettre en jeu ce qui vous est le plus cher dans votre inventaire actuel ou général. Là. Après, pour ce qui va être du jet pratico-pratique, c'est un des quatre. En gros, le 1 va consister en la perte de cet élément qui vous est cher. Le 2 va vous consister en ramener quelque chose de gênant. Le 3, ramener quelque chose de plutôt cool. Et le 4, ramener un putain de truc. Mais vous pouvez aussi simplement voyager dans le monde onirique en spectateur. Qu'en penses-tu, Chuchot ? Moi, je suis joueur, moi. Moi, je suis joueur, je me dis que c'est une belle opportunité. Après, j'hésite sur ce que je risque de perdre. Ce qui m'est le plus cher, là, dans mon inventaire, c'est clairement... soit la dent de Earnhardt, soit mon épée en argent, en fait. Ok. Eh bien... Moi, j'adore mon outre, hein, je tiens à te le signaler. Je suis vraiment fan de cette outre. J'adore ce petit... Qu'est-ce que c'est cette crotte de nez. C'est le mec tellement cher à mon cœur. Avec du laspace. Ouais, je pense que j'ai... Quel est le choix que tu fais, cher Chouchou? Bah, moi, je vais lancer un des quatre. Oui, non, mais qu'est-ce que tu mets en jeu? Bah, je vais mettre la dent de Earnhardt. Hein. C'est ce que... Putain. C'est ce qui tient le plus... Bah oui, mais... C'est vraiment ce qui met le plus précieux sur moi, quoi. Donc, Ok, très bien. D'accord. Donc, Ilza... attends, avant de jeter. On va le faire à la fin de... Donc, tu vas te retrouver... Enfin, tu vas vraiment perdre un peu le lien qui te retenait avec la réalité, comment dire, cet égout s'éloigne, les cris, la charge de Thorgrim en forme démoniaque qui se jetait vers toi, enfin tout cela c'est s'atténue et s'estompe, et après un temps que tu n'arrives pas trop à quantifier de noirceur et de sommeil étrange, tu vas t'éveiller dans un rêve qui se passe dans ton village natal. Et il s'y passe une fête de village. Mmh. Ils sont présents, ton père, ta mère, tes deux frères, leurs compagnes, s'ils en ont, leurs marmots, je ne sais pas s'ils en avaient déjà au moment où tu les as quittés, tous ces gens. Ils sont aussi présents, Roland, Thorgrim, et Yelfir, donc cet elfe étrange qui vous accompagnait encore il y a peu. Et ma foi, tout le monde ripaille, s'égaye au son de la musique qu'un petit orchestre joue autour du feu qui se passe sur la grande place du village. Quoi. L'ambiance est plutôt joyeuse, donc. Les danses se succèdent. Roland a l'air d'avoir pas mal de succès auprès de la gente paysanne. Thorgrim, lui, s'affaire au buffet, a priori. Oui. Voilà que Earnhardt, qui est également présent, t'invite à danser, chère Ilza. Et tu te prends à valser avec lui, quoi. Et mais il y a des moments un peu de flottement dans la danse où tu as l'impression que oui, au détour d'un petit, comme d'une valse, quoi, tu as l'impression qu'il est en train de te secouer pour te réveiller ou te dire quelque chose. Après, hop, un petit flottement fait que hein, tu continues à danser, tu regardes un peu autour de toi. Tu vois que dans le fond, quelqu'un a l'air d'attirer l'attention de pas mal des villageois. Et avec un jeu de flammes du feu, tu te devines quelques traits de visage, quelqu'un que t'as peut-être oublié, puis finalement tu te fais encore secouer par Earnhardt, quoi, qui te le montre désormais du doigt, d'un index
comment dire, un peu rageur, quoi, si ça se dit. Oui. Et tu reconnais, dans le fond, Malfik Schreckenstrich, ton professeur, le docteur, qui t'a formé aux arts et qui, après, a essayé un peu de te dévoyer sur une voie quelque peu maléfique. Oui, je relis mon merdier. Je vais t'inviter du coup à me jeter ton D4. C'est un 2. Bon, tu ne perds pas la dent d'Ernhardt, hein, oui. Mais il te pointe désormais et te secoue violemment pour t'éveiller à ce qui se passe autour de toi. Et tu vois que la plupart des gens qui dansent ont l'air plutôt morts debout, hein, j'ai envie de dire. Les têtes pendent bizarrement, certains membres sont manquants, les visages sont creusés, les yeux évidés, et tout le monde en fait est en train de pratiquer une espèce de danse macabre sous les gestes un peu de chef d'orchestre ou de marionnettiste de Malfik qui, dans un coin, préside à ce cauchemar ambulant. Et tu vois d'ailleurs tes amis qui semblent eux aussi pris par la malédiction, leur visage se creusant, leurs traits et leur peau devenant blanchâtres, et le tout se transforme en un cauchemar absolument immonde, où tu te retrouves soudain la cible des visages qui se retournent les uns après les autres dans ta direction, comme étant un peu la seule personne saine de l'assemblée, quoi. Et tu vas finir par te réveiller sous la charge conjointe d'absolument toute la populace, amis compris, qui te saute dessus. Et tu te réveilles... Toute transpirante, dans un hurlement sûrement. Voilà, c'est ça. Et ce que tu as ramené de l'outre-monde, c'est-à-dire que tu te réveilles comme ça, tu as dans ta main ce qui semble être un bras... Un bras d'enfant, c'est petit, c'est et je te laisse là pour l'instant. Ok, donc je note un bras d'enfant, mais ce bras, il est genre un peu momifié ou tout frais encore, ou... Il a l'air assez frais, ouais. Ok. qui a envie de partir rêver? Cher Thorgrim. Moi, je bon, toi aussi, hein, de la même manière, tu vas t'éveiller à un rêve étrange, mais qui, dans un premier temps, te fait presque chaud au cœur, puisque tu te retrouves à Karak Irn, dans les grands halls de ta cité naine, quoi, balayé par les vents typiques qui font siffler les grands corps de la montagne. Et tu reconnais assez vite l'ensemble des nobles de la cité. Et tout le monde est rassemblé à la grande porte et à l'immense volée de marches d'escalier qui la dessert pour accueillir en héros ton frère. Non, même toi, pas moi. Des accueillants. Des accueillants. Tu reconnais ton frère, celui parti... pour combattre, un peu comme toi, tu as été mandé, lui, pour combattre sur le front de la tempête du chaos. Mais c'est un retour, s'il est triomphal, il est quand même assez marqué par de dignité, puisqu'il a l'air de revenir avec de nombreux corps de nains morts lors de l'assaut, enfin lors de la guerre. Oui, les signes sont là que ton clan est en train de prendre du galon au sein de la cité, puisque à mesure qu'on reçoit le contingent qui rentre de la guerre, tu vois qu'on se dirige vers les halls des ancêtres où ils vont pouvoir trouver une sépulture digne de leur haut fait. Et ce sont des salles qui sont vraiment réservées aux clans les plus, comment dire, les plus réputés du Karak, quoi. Et ouais, à mesure que tu accompagnes donc, que tu retrouves ton frère, lui en bonne santé, il a l'air de ne pas avoir souffert de quelconque blessure vraiment trop grave,
son regard a changé, il a l'air d'avoir vu des horreurs qui l'ont transformé quand même un peu. Il a le regard encore plus dur, si c'est possible, qu'avant. Je sais plus, c'était ton grand frère, petit frère, on s'en fout un peu. On va dire oui, on va dire le grand frère. Dans cette assemblée là qui accompagne donc les corps vers leur dernière demeure, tu reçois un petit pic, quelque chose qu'on te jette sur une épaulière d'armure qui résonne comme ça, comme si on essayait d'attirer ton attention, mais bon, tu es pris dans l'importance du moment. De nouveau, tu lèves les yeux et tu vois que dans une espèce de coursive supérieure dans le grand hall là. Tu remarques Ernhardt qui essaye vainement d'attirer ton attention en te jetant des petits trucs alors que tout le monde c'est bien, on danse pas ensemble déjà, pratique les rites. Oui, c'est vrai, ça aurait pu. Je vais te poser également la question de ce que tu ma veux hache. Donc tu mets en jeu quelque chose. Ouais, ma hache, vu qu'elle vient de la maison. Ok, eh bien écoute, je t'invite à jeter ce D4. J'ai pas vu. D4. Oh, c'est beau, il a fait 4. Sans deck. Ouais. Bon, alors je me suis pas foutu de vos gueules hein, sur les. C'est vrai. Tu vas voir. Oui. Ouais, j'ai un peu peur que ce soit de la merde. Mettez un truc en jeu, un truc comme tu fais. J'ai récupéré une magnifique badine. Tu récupères. Est-ce qu'elle est magique? Bien sûr. C'est moche ça, monsieur. C'est moche. Salut Stéphane. Du coup. Oula. Oui. Dis-moi. À mesure que Ernhardt cherche à attirer ton attention, tu finis par croiser son regard. Et à nouveau, un peu à la manière de Dilsa, il t'indique d'un index rageur les tombes et certains des espèces de sarcophages. Qui dans les alcôves qui se succèdent quoi, et horrifié, tu vois effectivement que les coffrages sont en train de se mouvoir légèrement, et le tout se termine soudain aussi dans un espèce de chaos lorsque s'extraient des tombes les uns après les autres les corps des ancêtres à moitié décomposés, animés par une force qui était invisible là d'identifier. Et les nains présents prennent les armes et commencent à combattre, mais le pire combat qu'il soit, c'est-à-dire contre leurs ancêtres. Et tout cela se termine dans le fracas des armes sur les os et dans l'horreur de devoir asséner un coup à des figures héroïques du Karak. Mais tu te réveilles à ton tour, hache en main, paniqué, mais tu sens le poids sur ta tête d'un objet, ma foi, rassurant quelque part, puisque tu t'éveilles coiffé d'un aume runique porté par l'un des anciens héros du Karak, de Karak Irn. Ah ouais. Il s'agit d'un casque runique avec une rune de robustesse. Ah oui, monsieur, effectivement, on se fout pas de ma gueule. On ne se fout pas de ma gueule. Donc c'est un, bon, on verra en termes de règles, c'est un casque de plate quoi. Mais la rune de robustesse fait que lorsque tu le portes, tu as 4 PB de plus. Ah oui. Eh ben, il va jamais quitter mon crâne, moi je te le dis. Il n'y a pas des stats sur mon bras d'enfant. C'est une arme. N'est pas faire. Par contre, c'est des objets. Ah non, il a dit c'est une arme improvisée, au secours. Tu peux lui faire pointer l'index et le mettre dans l'œil déjà. après, ces objets manquent-ils réellement du lieu où vous avez cru vivre ce rêve? Ça, peut-être. En retournant dans ton village, dans quelques mois, tu rencontreras l'enfant à qui il manque ce bras. Nous verrons. Tiens, mon bras.
Bon, continue la cinématique, troisième phase. Ouais, juste, ça fait combien en armure, un casque de plate? Parce que tu me dis ça comme si j'ai un courant. Ah, parce que je dois les avoir mis sur le... Ah, tu les as mis? Alors, ne dis rien, je vais chercher, non, je vais trouver. Enfin, oui, t'as toutes les stats dans le tableau, normalement. Sur moi, je crois que tu l'as, c'est point d'armure mais... 2, je crois. Sinon, j'ai mis les aides de jeu, armure, armes, etc. Dans les commerces et arsenaux. Bien vu, my bad, autant pour jeu. Cher Roland, à ton tour de rêver un peu. Je rêve. Quant à toi, eh bien, tu rêves d'une magnifique, comment dire, cérémonie festive qui a lieu dans le château familial de la Muse, dans la vallée du coup de la Muse. Donc, et okay. Ouais, il est présent tout le gratin de nobles et nobliaux du duché. Et toute cette, comment dire, ce gratin a l'air réuni afin de fêter l'heureux événement, à savoir un mariage. Il n'y a plus de zik. Je relance. Le mariage de ton frère. Présentement à la tête de... Je sais pas si... Non, vous n'êtes pas à la tête du duché, votre famille, mais en tout cas de vos terres, quoi. Oui, des terres, ouais. Juste des terres. Cependant, la personne qu'il a au bras était inconnue. Une magnifique jeune femme, brune, au teint pâle. Bref, oui, rire sadique, on ne sait pas pourquoi. Sont présents également, ah oui, j'ai oublié un peu Torgrim, mais t'es présent dans les coursives au-dessus et présent aussi tes amis. Hein. À chaque fois, il y avait la présence des amis. Il y avait la famille, les amis, ouais. tout ça quoi. Okay. Donc de nouveau, Roland, tu vois les... Bon, alors par contre, c'est une répartition là par tablé et les rangs de noblesse et d'appartenance ou non à la noble race bretonienne font foi, et donc tu revois que tes amis sont relégués bon, à une table d'honneur tout de même, mais ils ne sont pas à la table. Assez éloignés, mais pas trop, ça les insulte. Oui. Voilà, bon, en tout cas, ils sont présents. Absent tes parents, hein, désormais décédés, de longue date d'ailleurs. Mais ouais, ton frère qui trône... Ravi, quoi, et a l'air totalement sous l'emprise de cette belle inconnue. Toi d'ailleurs non plus, tu n'es pas tout à fait, comment dire, insensible à ses charmes et à son regard, ma foi, quelque peu envoûtant. Les danses mondaines, celles-ci, hein, pas comme celles de comment dire, de la fête grivoise dans le village d'Ilza. Mais, les danses mondaines ouais, se succèdent. Et les mets fins se succèdent également aux tables. Et te voilà qui croque à pleines dents dans une magnifique tourte de ta cuisinière favorite. Le goût, hein, comme une espèce de Madeleine de Proust, te renvoie à des souvenirs tous plus... plutôt joyeux, mais oui, tu sens croquer quelque chose sous ta dent, quoi, comme si quelque chose te faisait mal et pff, tu le sors de ta bouche et tu as peur d'avoir perdu une dent justement, mais ton convive de droite qui se trouve être Ernard, il te dit mais c'est ma dent ça. Et un peu comme un cauchemar bizarroïde, tu le regardes, et alentour, la scène se transforme elle aussi en un cauchemar sur pattes. Et il te dit, rends-moi ma dent, mais gare à celle-ci, te dit-il en pointant du doigt le centre de la table où tu vois la belle mariée, toute canine pointue dehors, s'apprêtant à croquer avidement le cou de ton frère. Qu'est-ce que tu mets en jeu, si tu veux mettre en jeu quelque chose? C'est la difficulté, parce que la logique voudrait que ce soit mon épée de naissance. Ah putain, oui, non, la violence.
Bah oui, la logique veut que ça soit ça, mais c'est la violence parce que c'est quand même une grosse partie quand même du mon perso. Ouais. Franchement, non, moi je juge pas si tu mets pas ça en jeu, hein, franchement, va bon. Il y a l'épée d'argent, il y a effectivement la dent d'Ernhardt, en plus elle est présente dans ton rêve. Il y a ton cheval, bon ça c'est un peu violent aussi. Bah c'est... Si, ouais, on va mettre l'épée, hein. c'est plus le truc. T'es un ouf. Mais il est fou. Moi je dis par contre respect, gros respect. Et je te souhaite un 1. Voilà. Non, un 4, putain. Ah, mais quel enfoiré. Salaud. Le bâtard. Je te souhaite un 1, alors je veux dire que je te souhaite un 4. C'est à cause de lui, hein. On est d'accord. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais voilà. Après, c'est une prime sur 4 de table. Après, ça sera peut-être une... Est-ce qu'on peut faire un petit... Il faudra aller la rechercher. Une quête de la rechercher. Horrible. Oh, putain. T'as pas des points de fortune pour lancer ton jet? Au secours! Oh merde! J'en étais sûr en plus! Oh, j'étais certain. Ah, mais ouais, mais c'était certain quoi! C'est de ta faute! Désolé! Putain! C'est le jeu! Où est-elle c'est, comment, dans quelle situation l'a perdue? Je pense que du coup, tu vas essayer de sauver ton frère, hein, en te précipitant sur la scène. Et je pense que tu vas transpercer cette jeune personne de ton épée. Mais dans un combat, tu vas l'y laisser quoi, dans le corps de la jeune mariée, alors qu'elle te... Elle te propulse au loin d'une force que tu ne devinais pas. Et comme happé hors du rêve, tu laisses là-bas cette épée de famille. Putain. Ah bah attends, après c'est toi, t'as dit le truc qui vous tient le plus à cœur. Bah moi c'est bon, c'était l'épée. Hein. Ouais, après à chaque fois le 4 était du niveau de ce que t'aurais m'a ramené. Ok. Et vous vous réveillez donc tous les trois, paniqués, à peu près au même moment, dans ce qui semble être une grande caverne. La lumière du jour passe par une ouverture un peu en hauteur. L'odeur des algues est très présente. Vous vous baignez tous dans une petite flaque... d'eau salée dans les restes étranges de différents ramenés de différents rêves, un peu de sang, un peu de je ne sais quoi. La caverne est assez vaste, vous y sentez sous votre dos un mélange de sable et aussi peut-être de coquillages attachés sur des quelques petits rochers sur lesquels vous vous tenez également. En fait, c'est comme si vous étiez dans une espèce de caverne creusé dans un renfoncement de falaise au bord d'un océan, vous voyez quelque chose comme ça quoi. Vous entendez d'ailleurs les reflux assez proches des vagues, mais vous êtes encore sous terre et je vous laisse désormais reprendre vos esprits. Et on se réveille, on est tous les trois réunis là. Vous entendez les gémissements de vos amis à quelques dizaines de mètres les uns des autres. C'est une grande caverne, vous êtes dans des quelques dizaines de mètres les uns des autres, mais vous êtes dans la même dans le même lieu. Ouais. Des questions Ok, moi si je me réveille et que j'arrive à reconnaître les gémissements de mes comparses, je vais les appeler. Roland, Thorgrim, vous êtes là? La gorge qui gratte. Lisa. Ouais. Tu là. Vous allez bien? Il s'est passé. Ouais, il s'est passé un truc étrange. Oui. Je crois que c'est ma faute. Je ne te le fais pas dire, oui.
Donc vous êtes tous dans un triste état, à moitié détrempé d'eau de mer, et quelques algues peut-être sur les épaules ou voilà, qui vous restent sur le corps. Vous voyez que d'ailleurs Ilsa, qui se dirige vers vous d'un pas incertain, tient dans sa main d'une manière un peu négligée ce qui semble être un petit bras d'enfant. Et puis oui, Thorgrim, vous lui voyez sur le chef un magnifique casque, je te laisserai nous décrire la forme que tu veux, mais qui vous était inconnu encore jusqu'à maintenant. Est-ce que vous savez où on est ? Je ne sais point. Vous avez vu mon épée ? Non. Vous voyez que je cherche peut-être, tu sais, dans les flaques d'eau, j'essaie de voir si je trouve pas le truc, quoi. Et vous avez de la lumière ? Je vois pas grand-chose. Mes lunettes. Où sont mes lunettes? Je vais regarder, attends. J'entends une voix un peu grêle qui provient comme du plafond, qui dit « Oh, le chevalier, t'en veux de lui, il en a plus besoin !» Et puis tu vois un espèce de bras malingre qui a l'air de passer à travers une grille de gros barreaux de métal, mais c'est au moins 10 mètres du sol de vous, quoi. Qui t'indique comme ça d'un bras tendu, d'ailleurs d'un index, qui te renvoie à une vision de ton rêve. Oh non, ça n'a rien à voir. Qui t'indique du coup un renfoncement dans la caverne où tu vois que oui, il y a quelque chose qui brille dans une flaque d'eau de mer. Mais tu vois aussi qu'il y a un espèce de mouvement lent, d'une espèce de tentacule bizarroïde qui quelque chose a l'air de vivre dans cette grosse flaque. Qu'est-ce que... On est où ? Qui nous parle ? C'est moi ! Alors, vous êtes réveillé, putain ! Vous êtes sous le temple d'Hendrik ! Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Vous êtes qui, bande de tarés ? C'est vous, Elfir ? Non. Non ? Je sais pas qui c'est, Elfir. C'est... Ok, mais vous êtes qui alors ? On est où là ? Mais comment on remonte ? Bah j'en sais rien, je vous vois pas bien, j'ai pas trop d'angle d'où je suis. Vous voyez quoi ? Vous voyez qu'il y a son bras quoi, qui dépasse de la grille du plafond et tout. Il y a eu une grande lumière violette, puis tout un bordel, et puis après j'ai appelé mais personne n'a répondu, puis là j'entends vos voix maintenant. Vous êtes sous le temple d'Hendrik, moi je suis dans le... Bon, je suis dans le... Je suis oubliette, moi. On sait où c'est le temple d'Hendrik ? Vous avez connaissance de ce temple, oui, qui est donc le temple du dieu du commerce et de la richesse, ou en tout cas du profit, et qui se situe, comme tous les grands temples de Marienbourg, dans le Tempelsvik, donc le quartier des temples. Ok. Vous avez parlé d'oubliette, mon brave. Ouais. Vous pouvez peut-être faire quelque chose pour moi, d'ailleurs. Peut-être que pour qu'on fasse quelque chose pour toi, faut que tu fasses quelque chose pour nous. Peut-être que tu sais comment on peut te rejoindre ou comment on peut sortir d'ici. Si les hauts oubliettes, je pense pas qu'ils sachent comment sortir. Mais... Normalement, il y a personne qui vient par en dessous. La marée va remonter. Là, vous allez vous faire noyer, d'ailleurs. Moi, Oh, j'entends un bras d'enfant. Oh non. Oh, t'es affreux. T'es affreux. Non, mais c'est pas autorisé, ça, monsieur. Un petit gnoubla. Mince, qu'est-ce que j'allais dire ? J'ai bugué, oui, après, c'est horrible. Non, D'ailleurs, je trouve que refiler le bras d'enfant à Chuchot qui vient d'être papa, c'était quand même délicat. Mais voilà. C'est vrai que j'avais pas fait c'est les rêves. C'est les rêves. Bref. Mon Dieu, attends, tu vas me faire culpabiliser d'un coup là. Ouais, non, t'inquiète. Je me retire. J'arrête le jeu de rôle en ligne. Il en a non. Deux. Oh non. Ah voilà. Voir les choses du bon côté. Au secours. Bref. Okay, Roland, t'intéresses-tu à ce reflet d'ailleurs qui t'a indiqué de loin ? Bah ouais, moi je vais regarder. Accompagne. Il est parlé d'un truc à tentacules, non ? Si. Mais... Et tu vois quoi ? Il y a un vieux squelette qui a l'air d'en serrer
une vieille épée un peu rouillée, mais c'est pas la tienne, hein, tu reconnais ça, tu sais pas celle-ci. Par contre, oui. Vous voyez que vous m'entendez jurer, je pense, en bretonien, ça doit être genre la première fois. Hein. C'est vraiment le truc qui doit vous choquer. Et ouais, par contre, il y a accompagnant, enfin, à portée immédiate de ce gros squelette, une grosse pieuvre colorée dans les teintes violacées et rouges, qui a l'air calme, hein, mais qui gît là, en serrant un peu ce squelette. Très bien. On va faire le tour de la pièce, hein, voir s'il n'y a pas une porte ou un truc. Ou... Ça, je peut-être à regarder. Et c'est quoi? Et alors, juste pour capter, la personne qui est au-dessus, elle est dans. C'est juste une grille qui est au-dessus et qui la voit passe au-dessus, c'est ça? Ouais. Ouais, là, il y a l'air d'avoir une lourde grille de fer qui a l'air de lui servir un peu de plancher à lui, quoi. Il a l'air d'être dans une oubliette dont c'est le fond, quoi. D'ailleurs, à la verticale directe, à l'aplomb direct de cela, vous voyez qu'il y a des ossements plus anciens. Vous voyez que s'il y a peut-être un espèce un mécanisme pour ouvrir les portes là. des gonds. Ah oui, voilà, des gros gonds mais qui ont l'air à moitié bouffés par la rouille et quelques coraux, quoi. Mais un truc qui doit pas trop s'ouvrir, peut-être pour faire le ménage, pour vider les corps morts. Enfin bref, quelque chose comme ça, quoi. Là, les rochers qui pourraient mener à cela sont assez escarpés et glissants. Ça, y a rien de facile pour accéder à cette grille. En tout cas, il y a un accès, par contre, vers là d'où vous vient le jour, hein, une ouverture qui a l'air de mener avec une petite escalade également, mais vers l'air libre. Et vous voyez une espèce de aussi, à l'opposé, une galerie qui a l'air de se diriger vers les souterrains. Là, on dirait plutôt une ouverture sauvage, quoi, une galerie un peu pas creusée de main d'homme, quoi, creusée par plutôt la marée ou que sais-je. Je ne trouve pas mon épée, mais vous avez parlé d'une marée. Ouais. Vous savez si on est en si elle est haute ou basse là où elle doit bouger. Ah là, elle est basse. Vous connaissez sinon, ça, moi, je peux quasi pêcher le poisson quand elle est haute. Ah oui. On n'est pas dans la merde. Je pense qu'il faut qu'on parte assez rapidement, mais... Il faut pas qu'on traîne, mais je suis quand même curieux de voir, à mon avis, par là où on est arrivé, par les souterrains, au moins les premiers mètres, voir si on manque pas quelque chose, parce que à la base, on était quand même descendu pour essayer de trouver le nid de cette saloperie, quoi. Oui, mais vous comprenez pas, là, j'ai perdu mon épée, je n'arrive pas à la retrouver. Aidez-moi au lieu de rester là. Mais raison de plus, Roland, on a fait le tour de cette caverne là, on l'a pas trouvée. Si ça se trouve, elle est quelques mètres plus loin en amont. Attendez, faites. j'en connais des épées, des belles belles épées. C'est pas celle-ci. Vous avez parlé d'une lumière verte. Violette, pardon. Ouais. Violette. Mais quand est-ce que c'était? Bah, il y a quelques heures de ça, quoi. Puis un gros boum, puis des bruits bizarres. J'ai entendu comme des chants qui avaient un peu une fête ou je sais pas, quelque chose. J'ai halluciné, j'ai cru que j'étais complètement défoncé, mais c'est la fin, je mange pas assez. Enfin, bref. Et voilà, et après, il n'y a plus de bruit, plus de lumière, rien du tout. Et j'ai appelé, et rien du tout, jusqu'à ce que je vous entende, Jeanne, puis vous appelez les uns les autres. Il y a quelques heures de ça, quoi. Bizarre, c'est comme si on avait été transporté ici. Ouais. Cet endroit ne me parle pas du tout. Qu'on nous y avait amené, quoi. De toute façon... Je suis pas très regardant, hein, même si vous faites partie d'un culte ou quoi, je m'en fous, enfin, je dirais rien. Mais ne nous insulte pas, là. Fais gaffe. Ouais. On n'est pas de ce genre, là. Au
contraire, on les zigouille, donc tu commences à nous... putain. Bon, On n'a pas le temps pour ça, Roland. Ouais, moi je m'en fous un peu de ce qu'il est en train de raconter. J'avance tout doucement vers les souterrains, vers là d'où on vient, sûrement, quoi. Ok. Bah, tu vois, oui, qu'il y a une longue galerie qui s'annonce totalement sombre. Il y a un espèce de vent qui en provient, avec chargé d'odeur de renfermé. Mais oui, t'as l'air de te lancer vers un long dédale. Ah, il y a du vent, quand même. Un petit air, ouais, comme si aspiré par... tu vois, c'est bien, déjà. Ça a l'air d'être l'acte évaculaire. Oui, oui. Laisse-moi passer devant, Ilza. Tu n'y vois pas, oh, j'imagine. Bah, attendez, On reviendra. Salut. J'ai un trésor, si vous voulez. C'est vrai, c'est pour ça que je suis enfermé. J'étais un pirate. Oh, les salauds. Salauds. Je vous maudis. Revenez. Merde. Ok. Donc vous essayez d'emprunter ces souterrains plutôt que la sortie lumineuse. Non, bah. Oui. On a l'air parti pour. Moi, j'ai pas capté qu'il y avait une sortie lumineuse en fait. Mais... si, en fait, je disais, c'est la sortie avec sûrement vers la mer en fait, qui est la sortie naturelle où il y a l'eau qui rentre en fait. Ouais, je me sens pas de nager, tu vois. Ça, j'avoue qu'avec mon équipement sur le dos, le barda. Après, on sait même pas si ça se trouve, on est juste sur la côte ou un truc comme ça, mais. Bah, c'est déjà la sortie, on va dire, enfin non humaine, enfin non humaine. Celle creusée par la mer, quoi. voilà. On a l'impression que c'est quelque chose de très très long à faire ou. Comme ça, vous ne savez pas, mais effectivement, vous vous engagez sous terre et vous êtes déjà assez vite devant un premier choix de chemin. Ouais, vous voyez que si effectivement il y a la galerie creusée naturellement laisse place à une espèce de voie de contrebandiers peut-être, enfin en tout cas des galeries issues de travaux de mains d'hommes ou de nains ou que sais-je. Mais vous êtes dans un dédale souterrain et vous ne reconnaissez pas immédiatement des galeries par lesquelles vous seriez passé. Après, vous avez aussi des notions géographiques de ce qu'est Marienbourg. Et si vous êtes sous le temple d'Eindrick, on peut regarder sur le plan, je vous invite à me suivre ma vue. Alors moi, il faut que ça charge. Mais Tempelhof, c'est là, quoi. Et le temple d'Eindrick, ça doit être l'un de ceux-là. Et le Doudkanal d'où vous provenez, le quartier gris, il est là, quoi. Donc c'est loin. Assez loin. Ah ouais, donc non, faut qu'on effectivement ressortir par la lumière, ouais, t'es plus là. On va faire, faisons demi-tour. Ah, ouf. Oh, putain, elle me fait peur. Ferme-la. Ferme-la. Si tu veux pas que je monte, t'en coller une. D'accord. Mais s'il vous plaît, pour de vrai, c'est les repins qui... Moi, je suis dans la piraterie, mais... J'ai enterré mon trésor quelque part. Enfin, si vous me sortez, je vous jure, on peut s'arranger. Bah, dis-nous d'abord et on voit. Bah oui. C'est comme ça que ça marche. si on se rend compte que tu nous racontes pas du pipeau, on viendra te libérer après. Bah, de toute façon, moi je suis là pour rester, mais j'ai peur de plus jamais vous revoir. Bah, moi je suis le capitaine Van Droog, j'ai quand même une petite réputation. On m'appelle la sèche dans le milieu. j'en ai quand même écumé quelques-uns des navires. Alors, bon, on y va, hein, parce qu'on a, pas toute la journée. J'entends la marée qui monte, là. voilà, je pense que je m'en tournais vers lui, je fais... nous savons où vous trouvez, de toute façon, vous n'allez pas beaucoup bouger, à ce que j'ai compris... Si nous avons l'idée de venir vous aider, nous viendrons vous retrouver ici. Ne vous inquiétez pas. Putain. Et juste pour savoir, pourquoi ils t'ont jeté aux oubliettes ?
C'est un pirate, bah, il a dit. J'ai des banquiers. Hendrik, quoi. Putain, c'est même pas légal, je suis sûr, leurs oubliettes, là. Enfin bref, normalement, il y a une justice, hein. Je préférais être sur l'île Richecoeur, comme tout le monde, en prison. Eh ben non. Mais rigole pas avec, oui, l'argent, quoi. Bref, bah, et si jamais... Salut, putain, attendez. Une taverne dans un quartier, vite fait, qui vous crie. Allez, cume rouge, demandez. Je dois encore avoir des gars à moi, là-bas. Ok. C'est quoi le nom de... du gars, rouge. T'as dit Van Droog. Van Droog. Van Droog, D-R-2-O-G. Dit la sèche, le capitaine Van Droog. On sème des petites missions annexes. Oui, non, mais voilà, non, mais je note juste. Sait-on jamais, toi, si à un moment donné, on a vraiment besoin d'avoir vachement de fric pour une mission, un truc comme ça, capitaine, pour un bateau. On a besoin d'un capitaine, il y a peut-être moyen, voilà, de gérer le truc. C'est pour ça que je lui ai dit, on sait où vous êtes, de toute façon, vous n'allez pas bouger, on vous reviendra quand on pourra vous aider. Voilà. Du coup, en empruntant la voie vers la lumière, vers l'extérieur, vous vous rendez compte qu'effectivement, vous êtes à l'aplomb d'une petite... pas vraiment une falaise, hein, d'une côte, quoi, d'un bord d'un quartier. Vous entendez assez vite les bruits des gréements et des voiles, comme si vous étiez à proximité d'un port. Vous entendez les bruits de la ville. Peut-être un clocher résonne-t-il au loin. Et vous êtes en fait, vous sortez, vous émergez sous le quartier de Tempelsvik. Vous voyez d'ailleurs peut-être passer au loin un gigantesque bateau de la marine impériale, où flottent d'ailleurs à son sommet les étendards. Et puis derrière vous, s'élève l'un des grands temples, peut-être la cathédrale de Manahan, quoi, de toute blanche avec ses trois... pic d'or représentant une espèce de trident gigantesque. Bref, vous êtes juste sous le quartier, quoi. Ça ne demande pas trop de difficulté de le rejoindre. Vous extrayez de là, peut-être attirez-vous l'attention interloquée d'enfants qui sont en train de pêcher. J'ai pris soin de ranger mon bras d'enfant avant de. Mais jette-le! Qu'est-ce que tu fais avec un bras d'enfant? Tu vas pas le garder? Je me demande de où ça peut provenir. Quand on sera rentré, je prendrai soin de l'étudier plus en détail, voir s'il y a un détail qui permettra de trouver quelque chose. Rien. Regarde avec très suspicieux quand même. Hein. Tu deviens de plus en plus bizarre. Tu nous fais des trucs chelous. Les bras d'enfant. Pour la science. Pour le coup, moi je pense que j'ai pas du tout capté que t'as un bras d'enfant. Hein. Vous voyez que je suis vraiment plus que peiné par la perte de mon. Ouais, puis je fais ça sans trop me poser de questions non plus. C'est vrai que je suis encore dans le gaz, je mets ça dans ma besace et puis. Ah oui, tu l'as pas à la main, d'accord, ok. Si tu l'as pas à la main, moi je pense que je l'ai pas calculé non plus. Hein. Ah là Non, mais voilà, mais moi, c'est pareil, moi j'avance là-dessus et. Et surtout que. Ouais, surtout que je suis quand même salement amoché. J'ai des blessures partout, j'ai mal partout. Oui, vous êtes dans quel état, respectivement? Moi, ça va mieux, depuis que j'ai récupéré le casque. En fait, ça va pas trop mal, en fait. Ça va, il est ok. Oui, il me reste 3 PV. J'avais 11 sur 14, donc... Ouais, okay. Moi j'ai 10 sur 19. Oui, Lisa, t'as dit quoi? Il me reste 3 PV. Ok. Ah oui, donc t'es vraiment pas en forme, quoi. Et on a dormi pour les points de fortune, c'est une autre journée. Là. Oui, c'est comme si c'était une nouvelle journée, effectivement. Oui. Eh bien, moi, faut que je barre cette épée. Putain, on va la retrouver. Mais là, entre parenthèses. Faut que la note que je sais plus, quoi, parce que je l'utilise pas, quoi. Ah, du coup, t'as plus le bonus de CC, putain, mais quel enfer. Oh là 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 là. Ah j'ai plus le bonus de CC, j'ai plus le bonus sur la terreur et sur la peur, j'ai plus... Non, ça fait mal. Tu es devenu un paysan bretonien. Il a perdu, ouais. Comment dire, ce qui faisait le sel
de sa carrière de base. Zut. Bon. Horrible. Ok. Je travaille dire que tu aurais pu gagner. Non, je ne dirais pas. Oh non, lui dis pas, ce serait cruel. Alors, on peut tout à fait pratiquer une violente ellipse jusqu'à, jusqu'à être de retour en chasse à l'endroit où vous étiez arrêté presque. Simplement, si on le fait ça, on peut quand même établir ce qui se passe entre temps ultra rapidement. Quelles sont vos envies respectives? Bah, faut qu'on récupère du maxilas déjà. C'était pour les maux de gorge. Ah oui. Oui, donc vous avez encore les traces hein, et les séquelles d'avoir inhalé ces trucs-là, même si il semble s'être passé un peu de temps. On demande quel jour on est déjà, ça peut nous aider pour savoir où on en est en termes de... Eh bien, il manque un jour dans le bordel, quoi. C'est-à-dire que c'était la nuit. Ouais, il manque un jour complet. Vous êtes au petit matin, mais il a manqué un jour complet, là. Vous avez sûrement une petite dalle, quoique un petit rototo pour ceux qui ont participé à un banquet dans leur rêve fait remonter des odeurs de ce qu'ils ont mangé en rêve. Donc, bon appétit, la Wicca. Une dent. Bon appétit, Roland. Pas grave, de ouf. Une tourte. De ouf, une dent. C'est bon, les dents, donc. Ok. Peut-être que moi, vous voyez que. Je pense qu'il y a deux trucs. C'est, déjà, je vous raconterai ce qui m'est arrivé. En mode, déjà, voilà, c'est comme ça, au moins, je pense qu'on en parlera comme ça, que je ne suis pas le seul à être dans le même cas. Et le fait que. Je pense que je vais leur dire qu'il faut absolument que je retrouve cette épée, quoi. C'est vraiment une grosse perte. Ce que je te propose pour moi et peut-être que si on est rentré je demanderai peut-être à comment il s'appelle le gars là qui nous aide l'homme à tout faire Moritz je demanderai peut-être de t'sais d'aller je lui dirai à peu près là où on s'est retrouvé et si il peut pas aller là-bas vérifier si toi s'il y a pas quelqu'un qui a trouvé une épée ou un truc comme ça quoi Sur de la muse, je veux pas vous filer trop de faux espoirs, hein. Je vais la tenter, mais c'est chercher une épée dans l'océan, un peu, comme on dit à Mariembourg. Mais t'inquiète pas, on va retourner là où on s'est paumé, Roland, et on va la retrouver, ton épée, j'en suis sûr. On va la retrouver, mais tu sors d'où ton petit splendide casque C'est une excellente question, et je leur raconte aussi du coup mon rêve. Il y avait Cernart et on a dû combattre des espèces d'abominations mort-vivantes se réveillant des tombeaux de nos ancêtres. Et quand je me suis réveillé avec le cri de Grimnir aux lèvres, j'avais ce casque sur la tête. Tu ne l'avais pas avant celui-là ? J'ai vécu. Non, je confirme que je l'avais pas avant. Il est magnifique, c'est un casque runique. Alors, regardez ici. Tu devais avoir la même seule tête avant, alors c'est pour ça. Ah. C'est très aimable, merci. Après, bon, il y en a qui trouvent un casque, il y en a d'autres qui perdent leurs épées. Bon, voilà, après. Tu vois que je suis pas aimable du tout là. Je sais. Mais t'inquiète pas, Roland, on va aller retrouver ton épée. Mais toi, Ilza, j'ai vécu à peu près le même événement que vous. J'ai rêvé de Ernard, j'étais dans mon village natal. Tout se passait bien quand tout à coup, toutes les personnes autour de moi sont transformées ces créatures affreuses là et quand je me suis retrouvé assailli de toutes parts je me suis réveillé dans un sursaut je tenais ce bras dire un bras d'enfant un enfant mais est-ce que je sais pas ce qu'on a respiré je sais pas ce qui nous a rendu dans un tel état les gros yeux tu te fais les gros yeux comme jamais. J'ai bien compris, Thorgrim. Ne regarde pas comme ça, je sais, j'ai fait une connerie, mais je pensais nous ouvrir la voie. Je voulais pas les toucher avec mes mains ou notre visage en passant dedans. Là où. Je crains un message de Ernhardt par-delà la mort et je crains le destin de mon royaume. Est-ce qu'on pourrait pas se dire que ton casque aurait été transposé d'une manière magique depuis ces visions qu'on a eues
Et qui lancerait ainsi dans le sens inverse pour l'épée de Roland, quoi. Possible. Alors, c'est pas dans la merde, alors. Bah, la bonne nouvelle, c'est que ce sera sur tes terres. Vous voyez que je suis quand même au point où je suis quand même, comme je dis, je reste... Je suis très cru, chose que vous ne voyez pas habituellement. Hein. Ouais, c'est... Ouais. Et donc, ouais, non, non. Ouais, c'est possible. Ça veut dire qu'elle est restée, elle est restée dans le corps d'une femme qui essayait de tuer mon frère. Au moins, tu aurais éradiqué la menace qui règne dans ton foyer, ce serait la bonne nouvelle. Mais je suis pas certain que ça fonctionne comme ça, hélas. Vous le savez bien. Oui, bien sûr. Le genre de bête, c'est pas un coup d'épée qui. Et vous pensez que c'est vrai, ce serait vrai, ce genre de choses? Ce serait pas qu'un rêve? J'en ai aucune idée, mais ça semblait tellement réel. Et puis, comment je me serais retrouvé avec un bras d'enfant comme ça? Et comment il aurait pu trouver un casque aussi précieux dans ses souterrains? Je suis d'accord avec Ilza et le témoignage du pirate fait état d'une magie violette. Il aurait entendu les bruits des différents festins et fêtes auxquels nous avons assisté. C'est... Magie, vous êtes sûr que c'est de la magie? C'est pas un truc hérétique Je ne sais pas. On connaît les vents de magie et les couleurs, nous, en tant que... ou pas du tout? Non, je pense pas. Non, pas du tout. Bah, après, il faudrait qu'on se renseigne, parce que... Il faut bien garder en tête la couleur, qui est violette et pas verte. Et puis on pourra poser des questions à quelqu'un ayant ce genre de connaissances. Ah, peut-être que notre bon prêtre qui travaille avec nous, il pourra peut-être nous renseigner. Est-ce qu'il a déjà eu connaissance d'événements pareils? Est-ce que... Quoi qu'il en soit, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut rentrer à la maison? Je suis abattu, oui, j'ai mal partout, j'ai besoin de repos. Ce sera l'occasion de lui poser des questions en même temps. Il serait peut-être important, oui, ou peut-être de faire nos propres recherches. Enfin, oui, je suis d'accord. Est-ce que tu pourrais faire des recherches pour nous, Ilza? Je rappelle, je sais pas lire ni écrire. Ah oui, évidemment, évidemment. C'est une idée, et j'avoue que parler à un prêtre de ce genre de manifestations sans qu'on sache si elles sont maléfiques, je crains, le bûcher, voilà quoi. Ouais, mais... Voilà, je préfère que ça reste entre nous pour le moment, et on en saura plus, on pourra lui demander, mais... Déjà, il faut déjà qu'on retrouve ces informations-là sur ce vampire et qu'on arrive à tuer la bête. Cette bête. Donc même à Anatolius, vous lui faites pas confiance pour lui parler de ça? Vous pensez pour l'instant, non. Bah, qu'est-ce que tu veux lui parler? Que moi j'ai perdu une épée, que lui a trouvé quelque chose et que toi t'as un reste d'un enfant des fois on peut se prendre trop la tête. C'est peut-être tout simplement qu'on a été complètement déboussolé, que t'as peut-être attaqué un enfant sans le savoir. Oh mon Dieu, j'espère que le pauvre nain a volé un truc chez un de ses collègues. J'ai juste perdu. C'est tout, quoi. Je n'en serais pas revenu aussi, pas plus abîmé que ça, en volant un casque de cette valeur. Oui, mais... Oh, j'espère que je n'ai fait de mal à personne d'innocent, j'espère que... Oui... Je ne sais pas, mais... Bref, ouais, moi je vous propose qu'on se repose et qu'on retourne à la chasse. Mais le plus simple, que le pirate ait entendu le bruit des fêtes, je ne suis pas sûr que le plus simple soit que... On ait fait une fête dans les souterrains. Oui, sauf qu'il a pu nous entendre parler. Il nous a pu nous entendre parler dans nos rêves et il a utilisé la chose à notre insu pour qu'on le libère. Soyez pas idiot, maître. Il a pas l'air aussi intelligent que ça. Hein. Vous savez, ces êtres-là ont l'esprit bien retors. Mais bon,
Bon, allez, retournons. Il faut que, de toute façon, je retrouve une épée avec quoi je peux combattre notre proie. Une épée d'argent. Et puis voilà. Oui, mais elle était à la maison. Allez. Oh, allez. N'importe quoi. Ok. Bon, on va vous retrouver du coup sur le pont d'Orpsbruck dans votre QG, j'imagine. Vous allez au moins le temps que Ilsa se refasse. Et puis histoire de retabler sur une marche à suivre pour la reprise de la chasse. Y a-t-il des achats que vous souhaitiez faire ou des informations Peut-être récupérer une torche quand même cette fois, les gars. Ah. Oui, c'est ça. Y a... Parce que moi ça va, hein, mais bon, après vous battez dans le noir, ouais. C'est pas le meilleur. À chaque fois qu'on me propose d'acheter un truc, je dis non, c'est bon. Et à chaque fois que je me retrouve dans le noir, je dis merde, j'ai pas de torche. C'est ça. Alors, en termes d'éclairage, il y a mieux que les torches. Si on veut que, oui, si vous voulez que je foute la paix, lanterne, lampe tempête, bon, ça coûte un peu cher. Hein, mais, on peut se cotiser éventuellement. Non, ils se cotisent, j'aurais pas besoin. Je ne vous embêterai pas sur les. Comment dire ? Sur l'huile, sauf échec critique, tu vois, des usage de lampe tempête, de machin, je sais pas quoi, pendant l'exploration. Alors que sur des torches, mais si vous voulez, hein, c'est beaucoup moins cher. On tablera sur leur perte ou leur consommabilité. Donc vous, quoi, c'est 12 couronnes. Ouais, alors tout par contre, les lampes tempêtes, ça craint rien, quoi. Tu vois, c'est. Ouais. Et. La lanterne, pour moi, c'est le truc d'en dessous. La lampe tempête, elle s'éteindra jamais, quoi, à 12 couronnes. La différence entre une lampe et une lanterne Pour moi, une lampe, c'est un truc que tu poses sur la table. Ok. Tu vois, que tu trimbales pas, quoi. Ok, ouais, ok, ok. Bah, moi, je prends une lanterne, et puis voilà. Après, ça sera fait. Ok. C'est 5 couronnes. Tout de même. Bah oui. Moi je prends des torches que je puisse balancer. C'est Est-ce qu'on considère qu'on a le nécessaire pour allumer le truc, la lanterne, quand je veux Ou c'est un truc qu'il faut qu'on achète également Y a pas les trucs Amadou, la boîte d'Amadou? Ben non. Si, boîte d'Amadou. Vous voyez ce que c'est, ça? C'est. Ouais. On peut faire un petit peu d'étincelles, sinon il y a des allumettes à un sou l'allumette. Alors, mais bon, oui. Bon, bah, je ne sais pas quel type de jeu vous voulez jouer. Est-ce que vous souhaitez qu'on pousse la gestion d'inventaire ou pas? Non, c'est juste une boîte d'Amadou avec, et puis voilà, quoi. Pour moi, les items, ouais, un peu chers et qui font une différence narrative, ça vaut le coup. Le reste, on peut jouer. Je dis que je l'ai, et puis c'est tout, quoi. Je prends pas. Ah bah, maintenant qu'on s'est posé la question, lâche les 15 sous. ok. En termes d'informations, avant de s'y rejeter, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse? Faire une couronne d'or, c'est 100 pièces d'argent? Non. 10 pièces d'argent? Non, c'est 20. Hein, c'est 20, je crois. Ouais. C'est 20. Tu l'as écrit sur quelque part sur ta fiche, la conversion? Ah bah ouais, juste à côté, on va. Ah, au niveau de la feuille d'inventaire, je crois. Mais en termes d'armes, armure, est-ce qu'il y a des achats que vous voulez faire? Non, moi je suis humble. Ok. Salaud. Non mais moi, de toute façon, j'ai pas de place sur moi, c'est un truc de ouf. Oui. Moi c'est tout, hein. De toute façon. Je suis à 250 sur 250 et j'ai même pas mon matériel de chirurgien avec moi. Et en termes de matériel propre à la chasse, je sais pas. Là, du coup, je pense que ouais, vous avez retrouvé vos alliés de fortune, enfin de la Rose Noire. Le père Anatolus, oui, qui vient le soir après ses journées passées dans le nouveau jardin de mort extérieur à la ville, là, qui a l'air de lui prendre tout son temps et toute son énergie. Moritz, voilà, qui peut-être y a... Ouais, bref, en tout cas, les uns et les autres s'enquièrent de l'avancée de votre chasse. Hein.
s'étonnent de ne pas vous avoir vu. Ils se sont fait un peu de soucis pendant deux jours, quoi. Mais ouais, étonnés, je ne sais pas dans quelle mesure, du coup, vous leur avez raconté ce qui s'est passé. Du coup, il nous en reste 5, au fait, pour la mission secondaire, c'est ça, hein, deux jours. La mission secondaire. Il y avait une temporalité. Ouais, il me semble. Il ne fallait pas trop traîner. Et je crois qu'on avait dit que c'était une semaine. Oui, a priori, ouais, il y a des tombes qui sont visitées, quoi. Okay. Des corps qui sont excavés. Mais oui, du coup. Mais d'un autre côté, oui, vous savez que votre cible semble être de plus en plus. Comment dire Active, ouais. Active, ouais, on va dire ça comme ça. Donc, si je dois le faire par la voix d'Anatolus, oui. Quelle approche pensez-vous adopter désormais? Vous allez simplement y retourner ou... Oui, oui, on a trouvé quasiment sa cache. On se prépare avec ce dont on a besoin et on y retourne. Quel moment allez-vous choisir pour lui tomber dessus? La journée, je pense. Donc vous essayerez de la voir dans son repère. Pour moi, ce que je vois, c'est oui, c'est Kitu double son repère est peut-être protégé, mais elle sera sûrement plus faible plus le faible. Jour. Oui. Et la nuit, par contre, en chasse, elle sera en pleine possession de ses moyens, mais peut-être à découvert. Oui, je ne sais pas. C'est vous les chasseurs. Oui. Qu'en pense notre sachante? Déjà, j'espère qu'on va tomber sur. Pour son repère, on n'a pas encore eu le temps d'étudier cet endroit comme il se doit. On ne sait pas de quelle manière il est protégé, si c'est le cas. Faut peut-être qu'on parle d'Escaven à quelqu'un aussi, quand même, non? Oui, c'est vrai que lui, Escaven, je l'ai complètement... ça vient de... Ting, ouais. Attends, les hommes rats. La peste, tout ça. Je suis persuadé que ça n'existait pas. Et là, je les ai vus de mes yeux. Mais à qui on parle-t-on? C'est ça la vraie question. On va nous prendre pour des fous. Vous savez qu'en termes d'autorité, dans le Doute-Canal, il y a cette compagnie de mercenaires qui gère la quarantaine. Après, vous savez que chaque quartier est géré par un conseil municipal et il y a des coiffes noires qui sont attitrées quoi, à chaque quartier et qui sont plus ou bien moins dotées. Et, par contre, le Doute-Canal, c'est le pire endroit. C'est la cata. Il y a zéro thune. Mais bon, effectivement, ça peut vous inquiéter vous pouvez faire une corrélation entre l'épidémie et la présence de ces êtres. Peut-être que la sœur... Marie-Ken, je ne sais plus. Peut-être qu'à elle, on peut en parler, de la source de cette épidémie. Et après, elle a peut-être des relations qui lui permettraient de faire plus d'investigations à ce sujet-là concernant l'épidémie. Donc nous, on s'occupe de... Je pense que la bonne chose, c'est en parler à elle et également à notre prêtre, Anatole. Anatolus. Anatolus, voilà. En parler tous les deux. En leur dire, voilà... Ça fait que comme ça, si l'information passe par deux voies différentes et en plus deux temps différents, peut-être que ça sera pris au sérieux, quoi. Mmh. Ouais. Ouais. Ah. Parce que s'il n'y en a qu'une qui dit ça vient d'Omra, bon, ça veut dire c'est bon, qu'est-ce que t'as vu hier soir, vas-y. Voilà, toi, si le truc revient de deux voies différentes, ce serait peut-être plus intéressant. Quoi. Ok. Au moins, nous, je pense qu'on ne doit pas aller plus loin pour le moment, parce que ce n'est pas notre priorité. On y reviendra peut-être s'il y a besoin, mais c'est juste prévenir les clergés que on pense que c'est lié à ça. En tout cas, on a vu ça et on... Et Marie-Que, voilà. Marie-Que, si elle veut des preuves... De toute façon, c'était juste presque à l'entrée des souterrains qu'il y avait sous la maison, quoi, qu'il y avait encore les cadavres des Skaven. Ok. Et de toute façon, on en sera en plus,
je pense qu'on ne sera pas les seuls. Enfin, là, je pense qu'il y a une rumeur qui va sortir parce qu'on a sauvé quand même des gars de leur esclavage. Et donc, je pense qu'il y a des gars. Ils étaient enchaînés avec des Skaven, ouais. Et il y a des, je pense qu'il y a des gars qui sont en haut, là, enfin, qui est revenu dans le secteur et qui doivent le dire, quoi. Qui doivent dire que. qu'ils étaient esclaves d'hommes bêtes, enfin ou d'hommes rats, tout ça quoi. Donc je D'accord. pense que toi si on ça plus les informations à donner aux deux trucs de prêtres différents, je pense que ça fera déjà qu'il y a des choses qui vont bouger et on pourra peut-être s'en occuper plus tard. Ok, donc ça on va le laisser en l'état de ce que vous m'avez dit. Donc vous en avez fait un descriptif et vous avez en fait demandé au vers Anatolus de faire remonter l'information, quoi. Ouais. Lui a l'air de dire qu'effectivement, faute de preuves, et au vu des considérations qu'ont les autorités pour ce quartier, il craint qu'il en faille plus pour bouger, ou il faille mettre les corps des mutants sous le nez des autorités, ou presque les pour leur forcer la main à l'action. Mais qu'il va tenter la chose tout de même. Et ok. Et donc, fort de lui dire de jouer aussi sur le fait que l'épidémie, elle va pas s'arrêter au mur du canal. Ça a coupé quelque temps. Ouais. Oui, mais enfin oui, cher Ilza, vous avez un œil, de médecin sur la chose, mais je sais pas si les autorités locales feront un quelconque lien. Mais je vais tenter effectivement de les mobiliser pour que quelque chose bouge. Même si je crains que les gens n'aient que faire de la vie et de ce qu'il advient de la plèbe. Peut-être si, par contre, l'épidémie se répand en ville, alors soudain, on trouvera un autre écho. C'est fort probable. Donc, bon. Reposer, les lames affûtées, les armures passées. Et un peu de lumière pour les humains. Un peu de lumière pour les humains. Quelle marche à suivre adoptez-vous pour vous remettre pour en chasse. Moi, j'ai dit que j'étais chaud pour son en journée et dans son repère. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire, je pense. Début de matinée. Vraiment tôt dans la matinée, je pense. Ok. Donc, ce sera parce l'occasion ça fait, de... Ça fait le moment où, techniquement, il est rentré, il commence soit à dormir, soit... il comate de son repas du soir. Enfin, voilà. Ça marche. Ok. Donc, vous avez l'occasion de repénétrer pour la troisième fois ou quatrième fois dans le quartier gris. Juste une question, on a fait une pause jusqu'à temps de récupérer tous nos PV ou c'est toi qui me dis. Je récupère combien de PV par jour? Putain, naturellement, c'est que dalle, il faut qu'il y ait des gens qui te soignent, ou en tout cas que tu. Mais là, tu es sous les bons soins, je pense, du père Anatolus de Moritz qui doit avoir l'habitude de raccommoder les. Et t'as combien de PV max toi? J'ai 12 PV max. Et t'étais à 3? J'étais à 3. Je pense qu'il faut quand même attendre 2 jours pour qu'elle soit au taquet, quoi. Si vous voulez qu'elle soit au taquet. Sinon, oui, on attend qu'elle soit au taquet, on en aura besoin. Mais du coup, avec vous servir d'appât, c'est 3 jours qui sont passés, quoi. Ouais. 3 jours, ça fait beaucoup. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Ce qu'on devait faire, alors moi peut-être, si on fait sur l'attente, il y avait la. Le principe, il fallait vérifier qui faisait les conneries au cimetière, c'est ça? Oui, peut-être qu'on peut faire ça avec, avec Roland en attendant. Moi, pendant que je me remets de mes blessures, j'essaie de potasser dans tous les ouvrages que j'ai à disposition. En scène sur la magie violette, peut-être? Sur tout ce qu'on a comme maigre indice, quoi, sur ce qui a pu nous arriver. Oui, sur les rêves. Les rêves, est-ce que dans des ouvrages, on a déjà pas entendu parler de ça sais que le père, l'autre là, Salvo, c'est un augure. Et c'est sa spécialité. Hein, de... Ouais, mais il a l'air un peu sous poulet. J'ai ramené un bras d'enfant après avoir rêvé d'un truc chelou. Non, mais alors sans tout lui dire, je suis dehors, Ça peut valoir le coup de lui demander si
De par son expérience, il a déjà entendu des gens ramener comme ça des objets concrets de des songes, quoi. Ou... Oui, c'est une bonne question. Ok, alors, bon, on va couvrir tout cela par un petit jet chacun. J'ai envie de vous faire simplement pour les enjeux. La bagarre. Ouais. Donc, on ne va pas régler le problème du cimetière en un jet. Par contre, vous pouvez peut-être identifier certaines des problématiques qui s'y jouent. Problématiques, ouais. Carrément. Comment est-ce qu'on pourrait approcher la chose Hein, pour ceux qui vont repérer un peu et guetter les nuits ce qui se trame dans le jardin de mort, je vous invite peut-être qu'est-ce qu'on peut, on peut faire un basique jet de perception pour peut-être identifier un peu ce qui se trame. Complètement. L'un de vous deux peut s'en charger et puis un deuxième potentiel jet en fonction de ce que vous aurez. Ok. C'est le plus intelligent de nous deux et le plus perceptif. Visuel, 24. 34 pour moi. Mais là, l'équipe de Myop, quoi. Me moque pas. Ah non, 34 attends, pour moi. C'est parce qu'encore là, il y a les yeux. Hein. Si c'était l'écoute, je serais à 10. Hein. Pas mal. Bah, décrivez-moi un peu comment vous y prenez rapido pour mettre un peu de couleur. Je pense qu'on va se mettre en planque en fait à je sais pas quelle taille fait le nouveau cimetière, mais sûrement bon, chacun à une extrémité ou en tout cas près de l'entrée s'il doit y avoir une entrée ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et ouais. Ok. Est-ce que sinon il y a un autre truc simple, est-ce qu'il y avait un pattern dans l'endroit où les corps étaient volés? Bah le pour l'instant on en est vraiment à traiter au plus vite les cordes, du coup, y a des remblais qui sont amenés, il n'y a pas encore de pourtour délimité, et ce sont souvent les corps qui sont enterrés le plus proche de la fin du chantier, quoi, qui se voient... c'est là qu'on va se mettre, du coup. Donc en pourtour des marais Groucher, quoi, qui entourent la ville. Donc la difficulté, ouais, c'est que la nuit... Hein? Non. Le corps, vous vous cachez dans une tombe, ouais. Salut. On s'est planqué, ok. Bon. Donc la difficulté, hein, c'est que ouais, ce sont des marais et que voilà, proche de l'océan en plus, à la nuit, les différences de température et les, enfin, il y a une espèce de brume à couper au couteau, ouais, qui se lève de manière invariable. Hein, en plus le chantier a fait qu'on a retourné pas mal de cette terre vaseuse, etc., qui a des espèces de libérations dans la nuit de gaz divers, et ça donne lieu à tout un tas de feux follets. C'est sympa, Marienburg. C'est top. Du coup, je t'invite à me faire un petit... Bon, alors après, 34, ouais, c'est pas ouf. Mais fais-moi un petit jet. Du coup, alors que vous veillez... Tu doutes de moi. Combien? Mais 15. 15 sur 34. Propre. Écoute... tu te rends compte que il se passe deux choses distinctes l'une de l'autre. Il y a des petites équipes effectivement qui proviennent des marais. Du somnambulisme. Ouais, vous la voyez. C'est là qu'elle a récupéré le bras. Collection de bras qu'elle met dans sa poche. Pardon. Non. Vous voyez, provenant des marais d'ailleurs, alors que vous vous attendiez peut-être à ce que la menace ou ce que les importuns proviennent de la ville. Là, ce n'est pas le cas. Vous les entendez pas trop arriver. Ils arrivent sur des barques à fond plat. Et des petites équipes, en fait, viennent détrousser purement et simplement les corps et des rares richesses avec lesquelles on les a enterrées. Donc, c'est des équipes d'indigents pelle en main, quoi, qui assez discrètement s'affairent autour des tombes fraîches, quoi. Et cependant... pour certains, vous avez vu peut-être qu'ils ont pris un corps, quand même, ramené un corps. Les autres, ils les laissent un peu tels quels. Et plus tard dans la nuit, attirés par l'odeur, vous voyez sortir des espèces de... Un peu comme celui que vous aviez croisé dans les souterrains. Les varans. De gros varans qui viennent se repaître au décor, ou plutôt les saisir et les tirer dans le marais pour s'en repaître. D'accord, ok.
D'où la disparition des corps plus que le détroussage parfois. Okay. Ouais. Je peux te demander si tu voulais, je peux vous proposer ça comme deuxième jet pour ce qui est de Roland, un jet qui serait de peut-être localiser où est le camp de ces... De, si tu veux, je sais pas. Après, c'est peut-être pas ta spécialité, hein, les déplacements silencieux ou... Tu pourrais faire le pistage, sinon, si tu as quelque chose comme ça. Pistage, non, je crois que j'ai pas ça, en fait. Zut. Ou identifier un signe distinctif ou... Moi, j'ai filature, mais c'est sur l'agilité. Après, c'est la survie, mais en 27, quoi. Mais toi, j'ai pas des masses de belles de beaux, beaux trucs. Hein. Mince. Bah moi, j'ai de la filature, en vrai, mais bon. Ah. Oui, après, voilà, mère, vous y êtes à deux. Hein, Mais je vu qu'on a déjà ces informations-là, on les remonte à Salvo et il nous dira quoi faire. Ok. Comme ça, ça nous permettra de le faire. En fait, ça nous permettra de le résoudre avec Ilsa après notre... Ça marche. Ce sera plus intéressant parce que bon, si on y va maintenant, je vois pas pourquoi... On est vraiment les meilleurs enquêteurs quand même. Ouais, n'est-ce pas ? Mais c'est pas vrai, monsieur. C'est pas vrai, j'ai tout vu, monsieur. Je lui fais un premier rapport, disant qu'il a plusieurs problèmes en fait. Ça. L'idée, c'est qu'on lui dit bah voilà, vous avez des indigents, des pauvres, qui viennent détrousser les cadavres. Et en fait, ils les sortent sans les renterrer. Et il y a des créatures du marais. Donc, on lui parle des varans, même si on ne doit pas appeler ça comme ça. Des gros reptiles blancs qui les bouffent en fait, et qui profitent de ça. Donc il est horrifié hein, par cette annonce. Après, dans les marais, monsieur... On ne peut pas les qualifier d'indigents. Ces gens, comment dire, coupent de pauvres âmes de leur ascension vers un dieu. Ce sont des criminels. Oui, bien sûr. On les avait brûlés, ça ne serait pas arrivé. Ah, t'es pas là, toi. Non, je suis pas là. Carmelade, t'es pas là. Écoutez, il nous faut faire un exemple. Je voudrais que vous repériez le repère de ces hérétiques et que la punition soit à la hauteur de leur faute et qu'elle serve de leçon à ceux qui voudraient les imiter. Bien, monseigneur. Et bien sûr, hein, si cela est fait et couronné de succès, vous pourrez... On pourra reparler de comment dire de la rétribution. Oui, enfin de l'aide que pourrait vous apporter le culte de mort. Ah. Dans vos œuvres. Dans nos quêtes. Oui. Bien. Voilà. Au plus vite, hein, parce que j'ai encore cru que 4 corps ont été. Oui. Bon, je m'en vais prier pour les âmes de ces pauvres hères. Ok. Du coup, concernant Ilsa, tu as fait une recherche où Moi, je vais aller voir aussi le père Salvo, hein, comme il m'avait dit qu'il m'avait vu en rêve, etc. etc. C'est peut-être la bonne personne à aller interroger sur ce qui nous est arrivé. Mm-hmm. Évidemment, je vais pas lui dire que ça m'est arrivé. Ou que ça nous est arrivé. Je connais quelqu'un. J'ai un ami. Je vais faire un peu le lèche-cul, tu vois, en lui disant que ça m'avait beaucoup interpellé tout ce qu'il m'avait raconté lors de notre première entrevue au cimetière, et que du coup j'ai essayé de me renseigner dans des ouvrages sur la manière dont on peut étudier les songes ou essayer de me renseigner un peu sur tout ce qui se passe dans ce domaine-là, quoi. Et au détour d'un ouvrage, j'ai lu une histoire de quelqu'un qui aurait réussi à ramener un objet de ses rêves. Et comme je sais que vous êtes le plus grand spécialiste que je connaisse, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà eu connaissance de telles actions, de tels événements?
Et si oui, bah, comment cela est-il possible, quoi ? C'est assez fou. Je vais te faire un petit jet de charisme, ma chère Ilva. On t'entend pas à la week-end. Charisme. C'est juste pour dire à Chouchot, la fin de tes phrases, des fois, on l'entend pas. Ou ah ça, ouais ? Ça coupe rapidement. Je vais rapprocher un petit peu mon micro. C'est peut-être moi, je sais pas. Non, mais c'est peut-être possible. Il y a des moments où ça coupe, mais... Voilà. Salut, vous m'entendez merci. Mieux ? Oh. Ah ! Oui, c'est bon. Allez, je jette sous 42. Oh, ça va. Ah non ! Terrible. T'es loupé. Cher Ilsa, j'ai fort à faire. Point de fortune. Je saurais quand même. Ah oui, tu as ton point de fortune si jamais. Bah, on va combattre un Strige bientôt. C'est ça faux. Après, il y a d'autres jours qui passent, donc en vrai, bon. Oh, oui. Ouais, mais bon, c'est un peu salaud comme utilisation, quoi. Bah ouais, non, c'est. C'est un peu aussi, quoi. La triche. Je serais très curieux de connaître cet ouvrage que vous avez lu. Je n'en ai pas. Enfin, le compte que vous m'en avez fait ne m'a pas rappelé de tel ouvrage. Et je pense avoir lu l'essentiel de ce qui existe sur le sujet. Quel ouvrage s'agit-il ? En tout cas, si. J'ai feuilleté quelques pages dans une vieille échoppe. Un bouquin avec une couverture complètement usée, impossible de lire le titre. Il n'y avait que quelques dessins, quelques lignes griffonnées. Bon. Je serais incapable de vous dire même où est-ce que je l'ai posé. En tout cas, sachez que c'est notre dieu effectivement mort qui préside au monde des rêves, hein, et qu'on s'approche lors de nos phases de sommeil du monde vers lequel nos âmes trouveront un repos éternel. En ramener quoi que ce soit de son propre fait est proprement impossible. Ce ne serait que la marque de la bénédiction la plus marquée de mort, de Dieu lui-même, voyons. Et je, d'ailleurs, si ça vous intéresse un peu plus que cela, que nos us et nos savoirs, je vous invite à rejoindre le noviciat et à devenir initié du culte, cher. Eh bien, là, j'ai pas mal à faire, mais... Mais en tout cas, c'est fort aimable à vous de me proposer et de me, considérer capable d'entrer dans les ordres. Oh, bah, vous verriez les tâcherons que je me promène, vous ne seriez pas la pire. Non, mais en médecin comme vous, avec un bac... Enfin, non, ce serait un très utile. Plus. Et juste une petite question, comme ça, quand vous faites ces espèces de divinations, vous utilisez quelques ensembles couleurs ou des choses comme ça ou des... Oui, bien sûr, il y a tout un tas d'encens sacrés qui sont utilisés. Est-ce que c'est pour faciliter. Ça serait pour la pure chance. Oui, bah bien sûr, ils sont violés, on va dire oui. Ça va faire, merde. Ok. Et êtes-vous bien certain qu'il n'y a que mort qui soit capable de voyager comme ça dans les rêves ? N'y a-t-il pas de... Ah, et ses ennemis, bien sûr, ceux qui lui disputent les âmes. Mais on parle là de Dieu dont il n'est pas question de... Enfin, d'entité, dont il n'est pas question de prononcer le nom. Ah, donc Voldemort. Oh non, en plus ça le fait, Voldemort avec nos airs à la fin, boum, magnifique. Okay. Donc en fait t'as lu Harry Potter dans la vieille. C'était le tome 3 avec les trucs où il revenait dans le temps et tout, c'était un peu chelou. Okay. Bon, Père Salvo, je vous remercie pour toutes ces informations. Remettez-vous bien, vous avez triste mine. Oui, effectivement. Non, mais toujours moche comme ça, mais monseigneur, vous inquiétez pas. Vous êtes au courant de ce que nous sommes en train de faire au tout canal. On a eu... Vraiment, j'ai pas le temps. Allez, merci. Ok.
Alors, un jour, on va le chasser ou jamais de la vie? On y va. Le jour se lève. C'est toi qui nous fais faire des rêves chelous où on récupère des casques enchantés, forcément. C'est trop bien. Je vous propose qu'on vous téléporte juste après les mousses rouges. Okay. J'avais une petite question, du coup. Est-ce que sur le passage, on a trouvé des cadavres d'hommes rats et tout ou pas? Aucun. Nettoyé. Ouais, c'est ça, ce qui me semble. Ouais. Oui, c'est bon. Alors qu'il y en avait un paquet. Ouais. Ouais, je te confirme, on a fait... Nettoyé fait et les coursives de droite. Alors sur votre plan, parce que du coup, ça ressemble plus du tout à mon plan. Les galeries creusées... des mains de Skaven, hein. Désormais, vous voyez que c'était pas de même facture, celle-là. À gauche, on voyait clairement que c'était de vieux tunnels de contrebande, qui étaient affaissés, où il y avait une espèce de flaque, où vous y avez le varan qui vous attendait là, après la glissade. De l'autre côté, Skaven, là, c'est totalement éboulé, désormais. Mais par contre, dans les caves, du coup, le quartier est tel que vous l'aviez laissé, hein. Vous êtes obligé à nouveau de vous faire passer pour des prêtres de mort sous vos bures pour passer le cordon de sécurité. Vous avez, je pense, à cette occasion, l'occasion de voir Sœur Marie-Kaine qui s'en va prodiguer ses soins aux indigents. Et du coup, vous pouvez lui demander de faire remonter l'information quant à cette histoire d'Omra. Exactement. Elle a l'air totalement horrifiée. Elle dit non, mais. Ces pauvres gens, vampires, hommes rats, mais qu'est-ce qui manquerait plus qu'un démon? Non, mais... Là, t'entends le démon, mon. La voix du destin. Sœur Marie-Kaine, vous savez bien qu'il ne faut jamais dire ce genre de choses. Oui, j'ai un gars qui dit qu'il va avoir un 1, et le gars après, on a un 1, quoi. Sur un D. C'est ça. Je comprends pas trop. Là. Oui. La pauvre, quoi. Moi, ça va. Enfin, je veux dire, ces pauvres gens. Et vous, qui allez au-devant de tous ces dangers, merci encore. Ouais, je sais comment le culte pourra vous remercier un jour. Ouais, s'il y a un démon, je reviens m'occuper de vous, Sœur Marie-Kaine, même si j'y passe, hein. On est d'accord? Eh bien, Chalia, vous bénisse. Je regarde. Je me sens rassuré, là, d'un seul coup. Ok, et du coup, vous constatez, avec inquiétude sûrement, du coup, que les corps ont disparu. Peut-être y a-t-il quelques traces révélatrices du fait qu'ils ont été tractés à la manière des corps les jours précédents, dans la direction qui vous intéresse toujours. Je change de zic. Il y a de la musique là? Je n'entends pas. C'est parti, ouais, des moments ça coupe. Ah ouais, parce que entre la dernière partie et aujourd'hui, il y a plein de vidéos qui se sont fait striker. Ah, okay. Plein. Du coup, il y a plein de liens qui sont morts. D'accord. Okay. Ah oui. Du coup, là, pour traverser la mousse rouge, il suffit de traverser sans toucher. Non, on est passé derrière. Okay. Ah, on s'est téléporté. Non, parce que je suis chaud, il va encore faire la mousse rouge. Non, pas du tout. Tu nous as dit, vous êtes téléporté derrière, mais je veux juste savoir comment on est passé, quoi. Bah oui, bien sûr. Non, il faut être extrêmement précautionneux et essayer de ne pas déranger cet organisme qui a une espèce de réflexe de défense. Ouais. Elle réagit au feu? Tu veux essayer? Non, pas du tout, je veux savoir. Parce qu'il passe avec sa torche, donc je me dis que s'il doit y avoir une réaction, bon. Tu vois, genre, est-ce qu'elle se rétracte, bref. Oui, sûrement. Après, je sais, oui, bon, ça veut dire qu'il ne faut pas y avoir... Mais vous avez plutôt acheté des lampes, non? Ou des... Je crois qu'on a une lampe et Chuchot était en mode... Moi, j'ai acheté des torches, s'il y en a un qui a une lampe... Mais en vrai, on s'est tépé derrière, sinon on va avoir des emmerdes. C'était... Oui, après, si tu veux l'effet, peut-être qu'effectivement, elles se sont recroquevillées et craignent un peu les flammes. On roussit peut-être à l'approche de la torche d'Ilza, qui l'a vite mis au ras du sol pour éviter peut-être de déclencher un nouveau déluge de miasmes et de spores.
Bref, en tout cas, à mesure que vous, vous progressez dans ce gros égout qui a l'air extrêmement long, hein, lui, et qui remonte lentement, pas, peut-être pas jusqu'à la surface, mais une petite pente montante, quoi. Par contre, il n'est plus occupé par aucun courant d'immondices ou d'égout, puisqu'il semble avoir été comment dire, déchaussé ou s'être déplacé dans le temps. Et voilà, il est à sec. Par contre, il y a une violente odeur de charogne quoi, qui empeste depuis le lieu vers lequel vous vous dirigez. Et ouais, comment est-ce que vous progressez et, là, pour l'instant, c'est toute lumière allumée. Y a-t-il quelques précautions comment est-ce qu'on vous retrouve? Dans quelle position physique? Les deux coudes sur la table. Et devant. Non. C'est le bouclier et l'épée en argent. Chopine en main. C'est ça, la chopine. Je passe devant, je pense, en vrai. Okay. Ouais, et est-ce qu'on garde une source de lumière ou est-ce qu'on se laisse guider par Thorgrim? Vous qui voyez les hommes. Bah, c'est peut-être plus discret sans lumière, quoi. Oui. Ouais, mais on... C'est plus discret, mais tu vois rien. C'est ça, et puis la deuxième chose, c'est qu'on sait que le feu est aussi une arme possible contre des vampires. Oui, après, est-ce que la lanterne, elle fait comme toutes les lanternes, elle peut avoir un niveau de luminosité un peu plus bas si tu l'as... Ah, normalement, tu peux... Et là, je sais pas comment on dit, tu as des espèces de caches et tout, tu vois. Ouais, soit des caches, soit peut-être, je sais pas, ouais, l'oxygène, si c'est clos, tu dois pouvoir... Ouais, c'est ça, oui, c'est ça, c'est ça le mécanisme. Ouais. Oui. On peut dire ça? À 5 couronnes. Ah, 5 couronnes mal, je suis quand même pas fait avoir. Oui, bah voilà, je pense que j'ai la lumière, moi. Minimum. Accroché, tu la portes à la main ou c'est accroché au côté? Comment ça se passe? Quoi tu ressembles? Non, je la porte à la main, là, pour le moment, ouais. Et tu n'as pas remplacé l'épée par une autre ou t'en avais une autre en stock? Bah, l'épée... J'ai l'épée d'argent de la rose noire, quoi. Ok. Oui, c'est pareil. C'est la... Mais c'est celle que j'ai, voilà, actuellement. La lame d'argent, quoi. Ilza, qu'as-tu en main? Moi, j'ai mon épée en argent en main. Ok. Ouais. Vous êtes plutôt trois de front, non? C'est Thorgrim devant et... Bah, à la le, je pense, sauf si on peut passer à trois de front, en vrai, ça n'a pas d'intérêt de pas y aller. L'égout est assez, ouais, est assez vaste, bah, oui, hein, ouais. Le centre en est asséché. Okay. Bah, si on peut passer à trois de front, je les laisse deux devant et moi je me mets derrière eux. Ok. Ça me va. Ok, ça me va. Formation en triangle, c'est celle qu'on a travaillé le plus en plus, donc c'est parfait. Très bien. Eh bien, celui qui a le... pire score en déplacement silencieux va m'en faire un jet, s'il vous plaît. Alors, ça doit être moi, ça, je pense. J'ai 17. J'ai 12. J'ai 4. Bah oui, mais je suis un nain. Ah non, j'ai 21. Oui, c'est sur l'agilité, donc ouais. Oui, c'est sur l'agilité. Oui, bah alors... Oui, bah ça va. C'est bon. J'ai perdu une putain d'épée. Voilà, c'est toi qui as joué. C'est toi qui as joué. C'est pas non, alors, c'est toi qui as balancé de dire, ouais, vas-y, fais un... On a tous entendu. C'est vrai. Du coup, je te fais un geste, c'est l'idée? Oui, c'est l'idée. Sous 12. It's time to shine, baby, hein. Easy. Pourquoi ça veut plus? Ah si, c'est bon. Ah oui, mais je clique pas sur le bon truc, forcément, ça marche pas bien. Option. Succès cible. Inférieur ou égal à 12. Toc. Oh, ça a pas marché. Ah ouais. Au 80. Cling, 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 cling. Effectivement, la progression est assez brillante. Après, je suis en maille. Tant que ça, mais oui, voilà, les armes sorties, bon. Quelques grincements, bruit de métal entre choc, s'entrechoc et en réaction, au loin devant vous, vous entendez un espèce de comme si une créature avait été réveillée en panique et s'affolait. Enfin, en tout cas, il y a un bruit quoi, entraînant ouais, tout un tas de petits bruits successifs, comme si
des choses étaient tombées autour et que quelque chose avait soudain bougé. Et vous entendez du coup des petits échos de ce mouvement, mais et un silence. Ouais, je trouve que c'est un petit mot. Que lui casser la gueule, hein. Bah on y va. Hein. Bah, la question c'est est-ce qu'on court pour aller la chercher parce que maintenant avant qu'elle oui, c'est qu'on est là. Préparée, oui. Ou, Moi je suis pour. Ouais. Tata yo yo. Ouais mais moi je garde quand même un œil sur ce sur quoi on va marcher, sur ce qui pourrait nous tomber de sur le crâne du plafond. J'avoue on court pas. Tu vois. On marche vite mais en faisant gaffe à l'environnement. Attendez. Bon, bah, en fait, non, alors, ok. Donc, on. Oui, comment ça, c'est quoi, en fait, là On avance vite, mais pas trop. On avance vite en regardant où on met les pieds et ce qui pourrait nous tomber. On évite de tomber dans des pièges, tu vois. Voilà. Pour le coup, si. Voilà, suite à ça, ouais, peut-être que moi je. De la part d'Ilza. Peut-être que moi je filerai la lanterne aussi. Je jette sous 46. Écoute, là, ok. Ouais, je donnerai la lanterne à Elsa. Je laisserai la lanterne à Elsa et moi je sortirai le bouclier quoi. Point de fortune. Okay. Je vais utiliser mon point de fortune. Ouais, c'est une bonne idée ça. Autant. Non, on en porte le vent. Hein. Ouais, je vais prendre avec le bouclier. Ouais, Allez Elsa. Yes. Oui. Quel homme. Enfin, quelle femme. Pardon. Enfin, elle est moche, mais c'est vrai que... pas l'oublier. Donc ouais, moi, c'est ça. Je donnerai la lanterne à Elsa. Je sors le bouclier et je pense que pendant que j'avance, moi, c'est petite prière à la dame, quoi. Ah, ok. Tes règles de prière. Bah, c'est toi qui vois. Ça marche sans ton épée ? T'es un bâtard. T'es pire que moi, t'es un salaud. J'ai juré, c'est pas gentil. Mais quel chien, quoi. Ok. Et tu sens ton alors tu prends quelques dizaines de secondes pour psalmodier tes prières et en réponse hein. Tu sens en toi une détermination plus forte si tu tremblais encore un peu, enfin je ne sais pas si tu avais quelconque crainte sur ce qui t'attendait au devant, elle s'évapore quelque peu et la peur quitte un peu ton cœur pour laisser place à une espèce de me battre sans mon épée familiale, ouais. C'est dissipé. En tout cas, si tu n'as plus la lame de tes ancêtres, tu as encore leur déesse qui t'habite et qui veille sur tes actes. Cher Ilza, toi, par contre, donc tu as réussi ton jet de perception ? Oui. Et oui, tu peux du coup prévenir tes collègues, alors qu'ils reprennent leur avancée, qu'effectivement, il y a une zone au sol qui te paraît quelque peu friable, ou en tout cas, les pas des créatures ou de la créature et les traînées prennent toujours le même espace quoi et évitent a priori les zones qui sont sur les côtés. Il y a comme s'il y avait une petite zone au centre sur laquelle elle passait systématiquement, évitant les bords droite et gauche de la coursive. Et du coup, tu peux en informer tes amis. Oui, bah évidemment. Attention, vous marchez, regardez. Bah, c'est non, là. Je le dis pas. Ah, ici, oui, c'est vrai, j'avais vu. Et en face de vous, messieurs, enfin Roland et Thorgrim, alors que vous avancez bouclier et lame d'argent en main, les mouvements de la lampe, de la lanterne d'Ilza provoquent quelques reflets plus avant, à quelques dizaines de mètres, puisque des yeux semblent refléter les flammes. Mais plusieurs paires d'yeux. Ah, c'était ma question. Assez bas, recroquevillé au niveau du sol et avançant dans votre direction extrêmement lentement, tes yeux de nain et ta, comment dire,
ta vision, ta nyctalopie, cher Thorgrim, te permet toi de voir trois silhouettes pâles, émaciées, progresser lentement, et tu y ça reconnais des sortes de goules. Hein, chouette. Ils progressent, plus intrigués par les bruits que vous avez faits, que tu ne sais pas si elles vous ont vraiment identifié. Mmh. Elles humer l'air, ras le sol comme ça, et tu devines de vilaines griffes, hein, mm-hmm. comme des formes miniatures du strige. Ouais. Trois goules en approche. Moi, je prends celle de droite. Et est-ce qu'on ne ferait pas une petite pause avant le bain de sang, s'il vous plaît? Si, je suis chaud. 7h56, c'est une bonne heure pour la pause. Mm-hmm. Carrément. Alors, à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Yep.
Et re tout le monde. Re. Du coup, la scène, nous sommes face à trois ghouls qui s'enquièrent de ce qui vient dans leur repère. Donc vous êtes dans une coursive d'égouts asséchée qui remonte lentement, donc petite pente. Vous avez laissé derrière vous les mousses rouges qui semblaient plutôt envahir le fond de cette espèce de galerie, quoi. Et là, elles n'ont pas l'air de venir directement devant. Les ghouls, elles sont sorties d'un espèce de renfoncement parce que vous êtes passé devant plusieurs, salles désaxées, entrées de salles désaxées, puisque ouais, dans ces terres mouvantes un peu que sont les souterrains de Marienbourg, il y a l'air d'avoir des renfoncements de caves et d'autres ouvertures menant vers d'autres dédales. Enfin bref, donc elles proviennent d'un côté, elles semblent s'être hissées de cela et s'enquirent de ce qui vient vers vous et descendent lentement, font face du coup Roland et Thorgrim, arme en main et Ilsa légèrement derrière, lanterne et l'arme en main. Nous n'avons pas encore jeté l'initiative, y a-t-il quelque chose que vous voulez faire avant cela? Oui. J'ai Roland. Envie de savoir un truc. Thorgrimnir. Voyant arriver ces genres de maîtres, moi je voulais déjà savoir si on a un peu connaissance de ce type de maîtres. Moi entre autres parce que j'ai de la connaissance sur les morts vivants. Eh bien peut-être effectivement, en as-tu déjà croisé. Donc je t'invite à faire un jet de connaissance générale mort vivant. C'est ça. Et donc ça va être... Attends, je revérifie parce que sur un truc sur le bonus, j'ai un doute. C'est l'intelligence. Ça, c'est intelligence plus 10, donc 37. Voilà. 37. Descends. On va se faire casser la gueule, hein, moi je vous le dis, hein, si avec ces musiques comme ça. Là. 38. Oh non, oh, sérieux. Oh la terrible, terrible tristesse. Dommage. Y a-t-il un rejet? Y a-t-il un... Ah, il rejette l'échec. Moi, peut-être que je fais un petit rejet derrière. Non, je vais pas rejeter. Donc, malheureusement, non, rien ne te vient comme information facultative, plutôt, non, inverse. supplémentaire. Non, ouais, ou vital, concernant l'opposition des goulets. C'est dommage, parce qu'il y a quelques petits trucs. Moi, ce que je vais faire, c'est que pour maintenant. On est repéré et puis on a foutu le bordel. Je vais augmenter la luminosité de la lanterne au maximum, quoi. On essaie. Ça coupe pas, je suis chaud. Ouais, là ça coupe encore, je suis chaud. C'est vrai? Ouais. Mince. Je pense que ton micro n'est plus assez sensible. Alors, ouais. Regarde sur le. T'avais mis un gate noise ou pas sur. Ouais. Je pense que c'est ça, mon ami. Zut alors. Tac. Non, pas wesh alors. Bah, le truc c'est que dans Discord j'ai pas vraiment moyen de changer. Non, toi tu peux pas. Bah si tu peux. Sur le. Non, attends. Voix et vidéo. Ouais non mais vidéo. Ça mais. Détection de la voix et le truc en dessous. Ouais. Allo, test 1-2-1-2, est-ce que vous m'entendez? Ouais nickel, parfait, nickel. Ok. Non mais tu peux pas régler la sensibilité du gate, du noise gate et compagnie. Ah non, du noise gate non, sur le Discord c'est bon. Je disais, moi ce que je vais faire c'est augmenter la sensibilité de la lampe au maximum, quoi. Ok. Histoire que nous on y voit un peu plus clair et voir si ça les fait parculer un petit peu ou si elles ont pas une réaction vis-à-vis de la lumière. Mm-hmm. La réaction... des créatures, c'est effectivement un plissage d'yeux, mais aussi un espèce de ululement guerrier. Et vous jetez tous votre initiative. À savoir un des dix. Ouais, c'est ça. Et donc, retour du rang d'initiative. Hein. En fait, ce qu'on va garder de Brigandine, c'est le fait que il n'y a que vous qui jetez tant que vous avez des actions. Mais je suis obligé d'un peu de réutiliser l'initiative. Au vu de justement du nombre d'attaques par créature, etc. 27. Donc nous avons 27 pour Thorgrim. C'est un des 10 plus agilité. Oui. Ouais. Oui, c'est ça que t'as dit. Oui, c'est ça. Ouais. 36 pour moi. 36 pour Ilsa.
Et enfin, Roland. 45. Ouf. Ah oui. J'ai 40 d'agilité. Enfin, j'ai 41 d'agilité. Roland, le chevalier agile. Le fameux. Quant à mes petites goules. Je crois que je vais prendre une arbalète. Hein. Les épées, c'est mainstream maintenant. C'est trop. Arbalète de chevalier. D'où ça, c'est possible. Ah bah, de toute façon, non. Après, les chasseurs de vampires sont pragmatiques, avant tout. Ok, donc bah, Roland, c'est toi qui joues en premier. Les créatures ont l'air décidées à vous attaquer, même si elles progressent de manière, elles ne se jettent pas à l'attaque. Elles sont réparties dans... elles avancent de front, aux aguets, quoi, mais lentement... pas sûr de vos capacités. Ça a pas l'air d'être des créatures très très belliqueuses, même si elles sont en tout cas sont essentiellement des charognards. Hein. Mais elles ont l'air tout de même dangereuses. Je les vois baver, elles ont des crocs et leurs muscles, bien que malingres, semblent durs et allongés quoi. Bref, elles s'approchent. Bref, elles s'approchent. Elles arrivent à distance. Sinon, je vais vous dire juste un tour de plus. Qu'est-ce que vous faites? Elles sont quoi, à distance de charge ou pas? Oui, enfin de toute façon, on commence à jouer au moment où on peut taper dessus. Sinon, ouais. Faut... Non, mais je veux dire, il n'y avait pas une action temps. Non, c'était pas charge. Alors, on peut regarder vite fait les actions. Voilà. Attaque brutale, par contre, te laisse un peu à découvert pour la suite. Ouais. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est une attaque qui mange toute ton action. Ah, c'est une complète, ça prend les deux actions d'attaque. C'est ça. Ah, ok. Ouais, donc ouais, c'est pas. Non, bah vaut mieux faire une. Je vais faire une attaque standard alors. Donc en gros, tu attends qu'elles arrivent. Enfin, tu vas au contact de l'une d'elles. Bon, pour l'instant, ouais. Elles sont indéterminées, donc peu importe. Si, peut-être plus ta droite, plus la centrale, plus celle de gauche quand même, pour voir après comment ça va tourner. Je serais plus sur, on va dire, la droite. Genre, j'étais à droite de. Tu continues à longer ton mur. Je continue à longer mon mur. Et je fais en sorte de les attraper tout de suite pour les bloquer pour que Ilsa soit tranquille derrière. Tu essaies de prendre l'aggro, quoi. Ilsa. Ilsa, ok. Et eh bien, je t'invite, du coup, alors que. Voilà, sur les quelques derniers mètres, hein, la goule vers laquelle tu te dirigeais s'élance vers toi et tu la rencontres qu'elle se déploie. Tu vois qu'en fait, elle fait une taille humaine. Hein, elle semble avoir été un autre type de créature avant d'être goule. Se déploie un peu, elle fait sensiblement ta taille, bien qu'elle se déplace courbée d'habitude et semble vouloir combattre à grands coups de ses griffes que tu vois luire bizarrement. Je t'invite du coup à faire un jet de CC. Tu vas faire quoi? Tu vas faire tes deux attaques? T'as deux attaques toi? Ou une? Ouais, j'ai deux. Ouais. J'ai deux attaques. Tu vas essayer de taper les deux sur la même cible ou est-ce que tu vas aller à partir? Tu attends peut-être de savoir ce que donne la première. Ouais, je vais faire la première déjà. Ok. Il est 92 donc. Raté. Attends, mais. Ah oui, oui. Donc là, vous jetez à la brigandine, donc on va faire la différence. Mais bon, ça va 92, ça va pas trop faire la diff. J'ai 41, donc pire. Voilà. Ok. Tu rates ta première attaque. Donc elle t'inflige des dégâts, hein, ces brigandines. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est ça. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas joué, de toute façon, donc on va falloir qu'on prenne un peu de rythme. Du coup, le chiffre des unités là est de 2. 2. Le bonus de force d'une goule est de 3. Ça fait donc 5, 92, soit 29, la localisation de l'attaque. C'est dans le bras droit. Dans le bras droit. Est-ce qu'avec 5 de dégâts, déjà dépasse-t-elle ton BF et ton armure. Ton armure. Alors attends, j'ai un BF. Non, ton BE. Un... Ouais. Oui, mais ce que je veux dire, Ton BE. Un BE de 3. Mm-hmm. Et ah oui, c'est ça, j'ai fait 1/4 et c'est avec le slash, c'est ok. J'ai 4 en. D'armure total, ouais. En total, BE plus armure. Total.
Ok. Donc tu vas subir malheureusement un point de dégâts. Quasiment instantanément, tu sens une violente brûlure au niveau où la griffe a touché ta chair et l'a légèrement sectionnée. Tu me fais un jet d'endurance. Ah. Et j'ai pas spécifié, oui, ce sont des créatures effrayantes, malheureusement, qui vont vous demander un jet de force mentale. Tu ne l'as pas fait car la dame t'a protégé de l'influence sur ta a ragaillardi ta volonté, dirais-je. Je rate. Tu rates. Les créatures blessées par une goule doivent réussir un test d'endurance pour éviter de perdre 2 points de blessure supplémentaires. Tu prends 2 points naturels, donc tu perds 3 points de blessure sur cette première attaque. La créature ne semble pas si simple à abattre que cela pour une petite goule. Mmh. Que fais-tu de ta deuxième attaque ? Je continue. Tu continues. J'en profite, est-ce qu'on aura un bonus-malus de FM sur le jet ou est-ce que c'est Vanilla ? Là, je crains que ce soit Vanilla. C'est Vanilla ? Non, c'est juste pour savoir. Avez-vous des talents ? Toi, t'as un talent ou pas ? Oui, c'est pour ça que je demande, savoir si j'ai rajouté encore autre chose ou pas. Ok, donc, tu vas nous faire un nouveau jet. Il est à plus 18%, ce jet de CC. Ça passe pas encore. Merde ! Je fais 11, donc je fais plus 18, ça ferait 59. Oh, non. Bon, eh bien, les ghouls. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais moi, c'est moi, mais je fais que des jets de merdiques là depuis. Ah, mais bon. Ah, tu sais, peut-être la strige va falloir. Voilà. Ce sera une strigeounette. Donc, par chance, le chiffre des unités n'est que 1. Du coup, cette fois, il ne dépasse pas ton endurance et ton armure combinée. Voilà. Et par contre, tu vois que. En appliquant une deuxième attaque à la même goule, celle-ci a répondu en restant dangereuse, donc elles ont 2 attaques. C'est pas des petites merdes, en fait. Hein. Oh là là. Mais voilà, tu t'es occupé de la première. Ilsa, derrière, que fais-tu ? C'est à toi de jouer au niveau de ton rang d'initiative. Tu vois que là, Roland a fort à faire avec le déchaînement un peu. De la première goule avec laquelle il est rentré. Saloperie d'épée, j'ai pas l'habitude avec. je vais lui venir en aide, n'écoutant que mon courage, enfin essayant de n'écouter que mon courage. Je vais brandir mon épée, essayer d'asséner un coup à la goule. C'est un choix intéressant puisque celle-ci a donc utilisé ses actions. Elle ne sera pas dangereuse pour toi. Par contre, tu sais qu'il y en a 2 autres qui viennent juste après. Ouais. Et qui choisiront leur cible. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que j'ai posé la lampe ou la lanterne à l'entrée, quoi, histoire qu'on bénéficie quand même de la lumière. On peut dire, oui. Ça fait un magnifique jeu d'ombre chinoise. Voilà. Et comme ça, ça me permet de brandir mon pendentif de mort à côté duquel pend la dent de Earnhardt. On avait dit que c'était quoi l'effet ? C'était c'était sur les coups critiques sur les vampires, c'était ça ? Je sais plus. Je sais plus. Moi, il me semble. Ouais. Bon, ça aggravait les coups critiques sur les vampires. Ok. Juste pour le. Pour la forme, quoi, de psalmodier un des rétro, abracadabra, un truc dans le genre, en plus va des rétro goulinas. Du coup, il faut que je fasse un jet de force mentale. Et oui, si tu donc attaquer, je jette sous 40. Allons-y, ça va être intéressant tout ça. Je ne réussis pas. Putain. Yes. Ça va être bien. Non mais il faut que je vais utiliser un point de fortune. Ok. Donc au moins que je réussisse à l'attaquer. Quoi. On se souvient de l'usage des points de fortune. Pas du tout. Relancer un test raté. Bénéficier d'une parade ou d'une esquive supplémentaire.
lancer un D10 supplémentaire à son jet d'initiative soldat, ou gagner une demi-action supplémentaire à son tour. Et là, il s'agit de relancer un test raté de compétences ou de talent. Ça passe. Okay. Bien joué. Donc, c'est bien parce que celui-ci, il faut le réussir une fois pour tout le combat. Ouais. Ah, d'accord. Okay, c'était ma question. Tu n'as pas peur de ce type de créature et tu engages le combat et tu charges du coup laquelle ? Celle qui est au contact. Celle qui est au contact avec Roland. Tu et la si charges. On rate, c'est pour tout le combat ? Non, il faut le refaire juste pour réussir. Bah, non, là, sinon, ouais, c'est... Ah oui, c'est pour ça que je me posais la question. Non, je ne la charge pas. Je la. Tu l'attaques simplement. Et du coup, il me restera une demi-action. Oui, pour potentiellement parer l'une des attaques autres. Ouais. Je vais faire ça, ouais. Très bien. Eh bien, je t'invite à nous faire un jet de CC plus 18%. Donc, je jette 58, du coup. Allons-y. 32. Cela passe. Malheureusement, ce 2 n'est pas ouf. Voilà. J'ai 2 en BF. Ça fait 4 points de dégâts. Et épée en argent, 2. Hein ? Comment ça ? Non, c'est ton BF, c'est ton BF. Ah, c'est mon BF, ok. Ouais, donc tu fais 4 points de dégâts. Alors, les ghouls, en termes d'endurance... D'accord. Tu vois que ces 4 points de dégâts ne semblent pas... Ah, mais non, mais on jette pas un dé... Ah bah non, le D10, il est là. Ah non, il est là, déjà. Ok. C'est pas ouf. Tu vois que il y a une vilaine estafilade, mais pas de sang ne coule de la plaie infligée à cette peau un peu tannée qui recouvre le corps de la goule. Pas ouf. Pas ouf. Pas ouf. Cher Thorgrim. Ouais. I am ready pour mon jet de FM. Face à toi, oui. Ça passe pour le jet de FM. Ouf. Très bien. Tu es en état de combattre. Que choisis-tu de faire ? Eh ben écoute, je vais aller me porter sur la goule qui a essayé d'attaquer. Non, il en reste deux, c'est ça là, qui n'ont pas été touchés. Ouais. Bah écoute, je vais me mettre entre Ilsa, Roland et les deux autres goules et attaquer une des deux autres en fait. Ok. Je vais tanker. Obligé de CC plus 18%. Ouais. Je suis en 52, c'est sous 60. Obligé des deux attaques. Ouais, parce que j'aurai une parade gratos avec le boubou. Je fais un 4. C'est pas mal. Ouais. Plus mon BF, ça fait 7. C'est pas mal du tout. Alors, ça fait 3, quoi. Je demande quand même, une vérification. Hein, ça fait 4-4 qui fait à la suite. Bah ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est un chiffre sacré chez les écoute, nains. C'est le chiffre. Voilà. En vrai, est-ce que j'ai pas mis une connerie ? Non, c'est bon, je vérifie, mais. Non. Mais voilà, c'est juste. C'est vrai, c'est vrai que c'est le troisième. Tu vois que la goule en question, comme piquée au vif, c'est le cas de le dire, par ce coup. Oui, sachant que je suis à l'épée d'argent, hein, je l'ai pas dit, mais. Si, je l'avais dit, mais voilà. Semble vouloir s'acharner sur toi. Lui réserves-tu ton deuxième coup ou le réserves-tu à sa comparse afin de non, t'assurer... je vais faire sur celle-ci. Très bien. Essayer de éliminer les menaces. Tu peux refaire le même, ouais, tout de suite. 4. Eh bien, j'ai 3. Fait un 3. Putain, mais... ce qui fait 6, du coup. Ok. Tu lui infliges coup sur coup. Elle ne te touche pas et a pourtant tenté hein, de t'attaquer. Elle est donc hors d'état de nuire pour ce tour. Tu lui infliges 3 points supplémentaires. Ok. Sa comparse, elle, par contre, de manière assez salace et comment dire, semble vouloir vous contourner pour attaquer tes amis dans le dos. Allez, salaud. Attention, Ilsa, Roland. Une goule. Une mine. Soit Roland, soit. Bah non, l'un de vous trois. Bah oui. Tournez. Il y a un petit D3 là, rapide à lancer. Bah, un Roland, deux Ilsa, trois moi. Allez. Ça en fait l'ordre d'action. Oh, tu m'en veux, hein. Non mais je note le mais j'y peux rien, c'est pas de ma faute. Mais
T'inquiète pas, c'est tu, le, tu vois le... Tu sais, le gros bouquin chez les nains, là, qu'on appelle la rancœur, là. La t'inquiète rancune, pas, ouais. Je vais commencer à le... Ouais, bah il est ouais. Chez moi, pas chez toi. Roland, et tu as j'en un ai créé un en Bretonnie exprès pour toi. Roland, tu as un bouclier en main? Oui, j'ai un bouclier, oui. Bah, j'avais bien précisé que je... Donc, je t'invite à me faire un jet de CC plus 8 seulement, puisque elle te charge... Plus 18 non plus 8 à plus 8 ouais, parce qu'elle charge. Nous charge et donc elle n'aura pas plus 18 c'est pour ça okay. Elle n'aura pas ses deux attaques mais bon bah ça passe pas ça ne passe pas et celle-ci en plus avec un beau 5 points de dégâts te lacère le dos tu n'arrives pas trop à la voir venir et elle s'acharne sur ton dos t'infligeant 8 points de dégâts alors moins endurance. Moins BF et moins ton arme. Ouais, mais à nouveau, tu sens un violent, comme un venin, quoi, se répandre au niveau de là où elle t'inflige quelques blessures. Et du coup, au total, tu perds 4 points de blessure. En total. Hein. Donc, il doit pas refaire un jet d'endurance ? Ah, si, à chaque fois, pardon. Ouais. Ah, quand même. T'as une chance. Heureusement que je suis chaud, parce que pour moi. Alors l'endurance, j'ai combien déjà 36. T'as pas un talent de résistance au poison ou quelque chose comme ça? Ah, tu vois, regarde. Non, c'est pas les maladies, toi? Moi, j'ai maladie. Ah, c'est peut-être... Dans les talents. Ah non, parce que les résistances au poison, c'est la bénédiction. Je faisais okay. Ça. Ouais, j'ai choisi de te rendre insensible à la peur. Moi. Ok, donc par contre, tu résistes au poison et tu as donc tu ne subis que les deux dégâts du coup. En question. Okay. Et les trois goules ont joué, Roland, à toi de reprendre la main pour ce deuxième round. Je tente, hein. Là, j'ai une seule des goules est blessée pour l'instant. Tu es au contact, donc tu rabats une attaque sur celle. Ah, t'en as deux à ton contact désormais. Ouais, mais je continue celle qui était en face de moi. C'est-à-dire okay. La toute première sur laquelle je vais taper là. Ok. Je fais. Ben, ça passe pas. Mais bordel! Ça gérait de jouer un peu! Des points de fortune? Ah, ça passait avec ton épée, non? Arrête! Non, même pas. Non, ça passait pas avec mon épée. Je faisais l'épée plus 18? Attends, ah oui, c'est vrai qu'il y a le plus 18. Attends, non, bah oui, il y a le plus 18. Eh oui, bah non, ça passe pas. Ah! Merde. Et est-ce que ça passait avec l'épée du coup ou pas? Non. Putain, mais là, Roland, ça pique, hein, parce que là, elle te refait 6 points de dégâts. Je peux le relancer là avec un point de fortune. Ouais, oui, complètement. C'est trop fort les monstres. Ouais. tu pourrais nous mettre. Tu pourrais nous mettre des comment dire. Des limaces. Des limaces, ouais, c'est bien les limaces. Bah, en fait, ça passe. Fait mais sincère, les pas nombre chose. De boules dépendait du nombre de jours avant l'intervention. Ah oui, ah, c'est dommage pour nous. Alors, du coup, ça passe, mais des dégâts un peu. Bah, ça fait 1 plus ton BF. Plus. 1 plus ça BF. Ça va être long, hein. Ça va être long ce combat. On va pas avoir la triche ce soir, hein, je vous le dis. Attends. Oui, mais arrête, j'essaye de faire mes calculs, moi. j'ai un BF à 3, ça fait 4. Ok. Pas ouf. De nouveau. Deuxième attaque. Est-ce que tu. Ouais. Choisis bah, deuxième attaque, ouais, je continue, hein. J'ai pas trop le choix là. Donc on est d'accord qu'avec ce système hein, et face à des créatures qui ont autant d'actions que vous, ouais, chaque attaque vous met en danger. Oui. Sauf si on est plusieurs à attaquer la même cible en fait. Effectivement. Mais là on est sur le principe où la personne qui est avec moi là, si je. Elle s'appelle Ilza. Si Chouchou, enfin Ilza attaque, elle ne se fera pas contrer. Oui, c'est ça, ce sera une attaque gratos si elle attaque cette goule là. Voilà, c'est ça. Je continue donc de taper. Ok. Ah, 36, ah, ça passe. Coup. Du coup, 6 et 3, 9, tu lui fais 9 points de dégâts. Un couinement retentit. Et. Oui, tu sens qu'il y a une espèce de mouvement de retrait immédiatement. C'est des créatures qui réagissent un peu à la, comment dire, à l'emprise qu'elles ont sur leur victime, quoi. Bref, Ilza, à toi.
Ah, oui. J'avais juste une question, l'argent, les pains d'argent faisaient quoi? Non, il n'y a pas des dégâts supplémentaires sur certains trucs? Bah, sur les vrais morts-vivants, mais une goule, c'est... C'est entre deux, ok. Ouais. Non mais voilà, mais c'était juste pour me rappeler ce que ça faisait. En tout cas, vous n'avez pas vu d'effet particulier de l'argent sur les goules. Très bien. Elles ont l'air animées d'une volonté propre encore, elles ne sont pas vides et animées par une entité... Enfin, c'est pas des morts-vivants, c'est bizarre. Même si ça... Enfin, bref, elles ont pas le... Bref. Donc non, pas de dégâts supplémentaires. Voilà, rien du tout. Pas d'eau bénite, rien du tout, ça sert à rien. Ben moi, je hurle encore plus fort en psalmodiant mes conneries et je retente de mettre un coup d'épée sur... Abracadabra. Je retente de mettre un coup d'épée sur celle que vient d'attaquer Roland. Ok, le fais-tu d'une manière spécifique, en bourrinant tout ce que tu peux ou pas? Ou comptes-tu garder une demi-action attends, de parade? Attends, parce que si je fais nanana... Parce que toi, tu sais que celle-ci a été un peu épuisée par ton comparse. On peut jouer un peu tactique sur cette chose-là. C'est une action sur laquelle tu ne risques rien. Tu sais qu'il a pris l'aggro. Je vais faire une attaque brutale, du coup. Mais je pourrais pas parer si jamais l'autre m'attaque, c'est ça? C'est ça. Mais pour moi, elle a engagé le combat. Et c'est des saloperies qui s'acharnent sur là où le sang a coulé. Et le faire. Tu t'es pris pour Frodon, quoi. Plus 20. Donc plus 38. Ma hache est vôtre. Je joue sous 78. Ah, ouais, c'est un bon 82, là. 26. Ah, putain, un bon 82, mais quel chien. Donc, ton BF est de combien, cher? 2. 3. Déception, ça. Mais, après, elle est bien abîmée, celle-ci, déjà. Oui. Du coup, tu lui fais 8 points de dégâts. Ok. Tu lui enfonces une épée ou comment ça se passe un peu? Attends, 26, bah c'est dans le bras droit. Je pense que ouais, j'abats mon épée à deux mains, tu vois, au moment où 62 c'est dans le corps, mon bro. Hein. C'est 62. Ouais. Faut inverser, oui, par contre. Inverser. Ah ouais, bah je suis bête. Mec, putain, ça y est, c'est cette semaine qu'on n'a pas joué, il suit plus rien. Quoi. Ouais, désolé. Bah non, mais je lâche mon pendentif, j'empoigne la garde avec mes deux mains, et bah, je lui mets un coup d'estoc, quoi, en fait, dans le bide. Ok, donc elle est gravement blessée, et coup sur coup, elle vient de se prendre... Bah... Des attaques, et elle lâche un peu son emprise et fait un petit pas de recul, hein, cher Roland. Tu sens qu'elle n'a pas l'air très vaillante, elle. Et elle quitte un peu ton contact. Thorgrim. Ouais. Bah écoute, je vais attaquer. Hein. Tu t'acharnes sur... Je garde sur la celle que j'ai déjà commencé à blesser. Je fais un 26 aussi. C'est propre. Ce qui fait 6 et 4... Non, 6 et 3, 9, pardon. 9. Écoute, tu peux me décrire la mort de cette goule que tu abats du premier de ton coup ce round? Eh bien, écoute, elle va être. Je vais copier, mais je vais lui mettre un grand coup d'estoc dans le bide et déchirer la peau pâle, si j'ai pas de bêtises, je me disais qu'elles étaient blanchâtres, pour me retourner instantanément et. Laquelle j'ai le plus proche, celle qui est le plus proche finalement, c'est celle. Kilsa vient de défoncer, mais elle est morte, donc il en reste plus qu'une. Donc je vais attaquer l'autre. Elle est pas morte, elle est plus très vaillante. Et, quoi. Et effrayée, un peu. Ouais. Écoute, je vais... Elle est en train de se replier légèrement. Quoi. Ouais, je vais la finir. Je vais la finir. Oui. Okay. Je vais la finir parce que je crois qu'en termes de fiction, c'est celle qui est le plus proche de toute façon. Si j'ai bien suivi le. C'est une attaque sur laquelle tu ne risques rien. Je t'invite à faire ton jet plus 18. Ça passe, c'est un 8. Donc ouais. C'est un 8 et 3, 11. Ces créatures... 86, c'est où? De nouveau, tu peux me décrire... La manière... jambe droite. Elle allait s'enfuir et je lui sectionne la jambe droite. Et elle se vide. Elle se vida de son sang. Et essaye de ramper quelques mètres, mais arrête de bouger dans un espèce une espèce de convulsion. Celle qui était sur le dos de Roland, assistant à la mort de ses deux comparses en
arrête de te lacérer et tente une fuite déclenchant une petite attaque d'opportunité si tu veux la saisir. Moi, oui, clairement. Je t'invite pas de fuite. Bon, vous en avez presque tous une, je pense, sur elle. Ouf. Oh. Enfin, une petite colère d'Ulrich. Tu peux relancer, oui. Donc je peux relancer un des 10, c'est ça. Oui, c'est ça. Trop bien. La fureur du brick. Quand même, tu lui fais 15 points de dégâts. Tu peux me décrire sa mort. Même plus, 15, non. Alors, 16. 16. 16, pardon. 16, monsieur, 16. 16. Elle ne vole pas un point de dégâts au chevalier. Roland, comment que se passe-t-il? Peux-tu me décrire En fait, je pense que voyant la créature qui s'était un peu reculée face à moi, je me suis retourné pour faire face à la créature derrière moi. La voyant partir, je pense que je fonce, fonce dessus en c'est donnant tête, un, en gros coup, un gros c'est, coup. C'est pleine spécial. Tête. Ouais. Voilà, toi, c'est paf, comme ça, paf, dans la gueule. Okay. Tatane dans la gueule. On va détacher sa tête et peut-être même une épaule et un bras de son corps. C'est ça, ouais. Ça coupe vraiment son côté. Alors que le combat semblait mal engagé, il y a à peine quelques secondes, en quelques coups de votre part, vous abattez les trois goules quasiment coup sur coup et le calme revient soudain dans le souterrain. Peut-être êtes-vous à l'écoute d'une quelconque réaction. Oui. Ouais, je pense, ouais, au loin, ouais. L'oreille tendue, tu sais, aux aguets. Ouais, moi, je m'empresse de ramasser la lanterne et puis j'essaie d'éclairer les murs qui l'étaient un peu moins. Écoutez, aucune réaction, le silence regagne les lieux. Pas de bruit. Est-ce que, en regardant un peu plus en détail la pièce, est-ce qu'on y voit une sorte de... qui pourrait ressembler à une couche ou... Alors, vous êtes toujours dans le couloir, les égouts, hein, voilà. Okay. Remontez lentement. Elle provenait d'une pièce, mais donc vous allez, tu peux me poser la question sur celle-ci, d'où elle provenait, quoi. Vous voyez qu'effectivement c'est une espèce de cave, comme celle un peu de la toute première que vous aviez, dans laquelle vous étiez descendu, avec un accès comme ce que je vous avais décrit, quoi, un peu de guingois en biais et à moitié ouvert, comme si oui, était monté et descendu des étages avec le temps, quoi. Là, par contre, vous êtes pris au nez par une puanteur de carcasses et de charognes, puisque dans cette pièce sont agglutinées et abandonnées ces créatures, tout un tas de corps dans différents états de décomposition. Et tu as l'impression, enfin non, tu vois qu'il y a aussi une échelle qui a l'air de monter vers un étage supérieur, comme si vous étiez là dans une cave de bâtiment. Et là, vous êtes plutôt dans le repère des goules, où on a entassé tout un tas de corps pour leur laisser le libre. Ok. J'ai une question. Est-ce que l'odeur de charogne venait seulement d'ici, ou est-ce que si on continue un peu le chemin de l'égout? Il y a toujours cette odeur de charogne, ou est-ce que ça diminue? L'idée, c'est savoir, est-ce que le vampire, pour donner mon intention, est-ce que le vampire peut être encore au bout de l'égout, ou est-ce qu'il faudrait monter dans la pièce qu'on vient de découvrir, en fait? Non, l'odeur, est beaucoup moins forte dès que vous passez ce point et cette salle, quoi, que vous laissez sur votre gauche, si vous continuez à monter un peu. Elle n'a l'air que de provenir de cet endroit. Et si tu la sens encore, c'est parce que elle se répand depuis là. Ok. Que fais-tu? Du coup, t'as envie de monter, Axel? Selon ma logique, ça voudrait dire que le vampire est plutôt le lastrige est plutôt en haut qu'au bout de l'égout. Mais c'est peut-être juste que je suis un gogol. Après, lui, peut-être qu'il ne laisse, Laisse pas de cadavre. Peut-être qu'il s'en nourrit, tu vois. C'est possible. Il suce les os et il n'y a plus rien. Il ne reste plus rien. J'ai une question toute bête aussi. On est au courant que... est-ce qu'on est au courant que ces ghouls qu'on a croisés sont des...
reste de la de ce genre de vampire, c'est ah oui, c'est une bonne question. C'est que c'est le vampire qui transforme des gens en goules. Là c'est un peu le est-ce qu'on a quelles les connaissances on a un peu là-dessus. Je pense que vous savez que ce type de créatures sont souvent attirées par l'influence des vampires. Vous n'en savez pas plus. Ils leur servent souvent de sbire. Ah bon, pas nécessairement. Vous en avez déjà croisé à proximité de. Et c'est un peu une spécificité des striges. D'accord. Pas tellement de connaissances en plus. Vous ne savez pas si c'est des corps transformés, si c'est des gens transformés. Vous savez juste qu'on en trouve souvent autour de. Des vampires monstrueux, quoi. Comme une espèce de suite. Je peux pas retenter un test de connaissance mort-vivant, pour le coup. S'agit toujours de la nature des ghouls, quoi, un peu, c'est ce que je t'aurais dit dessus. Ouais, ok. Mais c'est juste. Il n'y a pas tant d'infos de plus. D'accord. Sur la nature de la créature aussi, vous auriez pu savoir qu'elles étaient un peu. Enfin, que c'est. Ouais, qu'elles étaient empoisonnées ou que. Bref. Ok. Alors, il y a quand même beaucoup de corps. D'où vous êtes et à la lumière de la lanterne, vous devinez quelques corps poilus qui ont été amenés là. C'est intéressant ça. En vrai, on va le. Sans le toucher à main nue, que je veux pas choper la peste. si j'ai bien compris, c'est les corps de Skaven. S'il y en a un qui on voit encore la tête, tu vois, donc le museau de rat, etc., ou voilà. Je vais le ramener dans l'égout pour le reprendre au retour, en fait. Okay. Pour le remonter et prouver nos dires, en fait. Ça marche. Alors que vous êtes. Donc vous êtes descendu dans le charnier, là. Vous êtes. L'idée, c'est de passer le charnier pour essayer de monter. Du coup, la question, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec mon hypothèse que le vampire vit plus haut ? Ça se tient que. Il faut de toute façon y aller et. Et moi, je pense qu'il y a un des trucs qu'il faut qu'on fasse, c'est après, ça sera peut-être de brûler le charnier. Quoi. Oui, je suis d'accord. De toute façon, il faudra faire les prières pour les morts et tout. Il y a un truc que je vérifie quand même, si on se balade dans le charnier, c'est si je vois pas un corps qui me fait penser à un corps de ghoul, là. Non, pas d'elfe. Ah bon. Quoi, d'elfe. Le frère de Yalfir. De Yalfir. Ah oui, il y a Yalfir. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Mais non, voilà, enfin, c'est toi, c'est pour éviter qu'il y ait une goule qui soit cachée ou quelque chose en phase de transformation. Bien vu. Ça va me permettre de répondre aux deux questions en une fois. Si tu prends la peine de retourner les corps dans les différentes formes de décomposition dans laquelle ils sont, certains, ils manquent des membres parce qu'ils ont été dévorés. Tu n'en vois aucun qui semble ressembler à une goule. Par contre, effectivement, le vieux souvenir lointain et à moitié. De se croiser dans ton rêve et dans. Enfin, il y a effectivement une silhouette. Tu sais pas si c'est Yelfir lui-même ou effectivement son frère, parce qu'il lui ressemble grandement, quoi. Il y a un corps d'elfe à qui il manque tout un morceau de la gorge et peut-être un morceau d'épaule qu'on a grignoté, quoi. J'envoie un MP à Sam. Il n'y a pas genre peut-être une babiole quoi qui pourrait peut-être l'identifier ses fringues quoi de la manière ouais dont non il mais j'ai pas ramené les fringues et tout ça oui, il reste aussi peut-être un morceau de foulard autour de ce cou à moitié manquant un foulard ouais, voilà un truc qui pourrait être reconnu par Yamfir si on le revoit quoi si c'est pas lui ouais. Ok, donc tu retires ce foulard. Je vais te faire faire si quelqu'un a une acuité auditive, faire un petit jet de perception. Si quelqu'un a pas du tout, moi. Un jet de perception pour Ilza qui est pas en train de fouiller les corps, qui est plutôt en train de faire un constat général. C'est ça, je jette sous 46. Pour moi, t'es en train de couper une tête de Skaven ou en train d'en chercher une, et puis. Rien du tout. Bon. Que faites-vous ensuite, du coup ? Moi je demande, on monte. On avait l'air de partir sur le fait de monter parce que l'idée c'était que le vampire était au-dessus.
On en est le cœur net. Surtout que tu as dit qu'il y avait une espèce d'échelle ou un truc pour monter, c'est ça hein. Ouais, ouais, il y a une échelle assez, comment dire, qui fait un peu tâche. Là, vous êtes vraiment dans, dans une pièce, une cave un peu vide et humide où il y a des corps laissés là. Là, l'échelle qui permet d'accéder à la trappe. Ok, et donc, ouais, c'est donc une trappe qu'il y a au-dessus de l'échelle. La trappe est fermée. Ouais. Est-ce qu'en inspectant l'échelle ou la trappe, on peut y voir des traces de griffes ou des trucs comme ça ? C'est ce que j'ai demandé. Ouais, et j'ai une autre question. Parce que quand on est passé par des trappes et des trucs machin, c'était par fermé à chaque fois. Referme. Quand on est descendu et tout, non, on est d'accord que c'était ouvert et défoncé plutôt. Mmh. Ouais, ça a l'air d'invalider un peu l'idée. C'est plutôt en bon état et même l'échelle elle-même semble en bois solide et avoir été. Enfin, vous voyez, ses pieds qui trempent dans la boue au sol ne semblent pas avoir été moisis. Enfin, c'est du bon bois, a priori plutôt neuf. Mmh. Neuf et, enfin, en tout cas pas. Ouais, pas récent quoi. Pas pourri. Et ouais, il y a quelques traces, mais bon, oui, trahissant une poigne dotée de griffes, mais bon, c'est. On a des goulots aussi, quoi, dans l'idée. Ouais. T'as pas la certitude, ouais, tu vois pas les traces de main. Mais oui, ça pourrait coïncider avec. Ou alors avec quelqu'un qui aurait des crampons aux pieds, ou que sais-je. Mais... Ouais, des chaussures. Bon. Qu'est-ce qu'on fait pratiquement? Thorgrim va grimper en premier. Super. Attends, moi j'ai pris cher, moi, je t'avoue. Bah, let's go, hein. Bouclier sur la tête, comme as. Comme ça. C'est ça. Je monte avec un seul bras. Avec l'épée en main, t'es galère. Au cas où Thorgrim tombe, parce que bon. C'est ça, si Thorgrim tombe, au moins il peut se. Ok, donc tu montes et tu tentes de soulever la trappe. Ouais, c'est l'idée. Elle a un jeu de 10-15 cm, mais bloque ensuite, et tu vois ras le sol qu'il y a un gros cadenas qui est fermé, qui la maintient close, quoi. Ok. Et il a l'air neuf, le cadenas depuis... Ouais, il a l'air... Enfin, c'est un cadenas. Enfin, bon, pas... Ouais. Ouais, mais pas... Ouais, il est récent, quoi. Il est pas... Et là, t'as l'impression d'être dans une vraie cave où sont stockés tout un tas de choses. Tu vois des pieds de table, une pâle lueur d'un éclairage un peu lointain, mais ton champ de vision est limité. Pourquoi tu t'es arrêté ? C'est bloqué. Est-ce que... Et si, d'où tu te tiens, tu dois voir aussi... comme des pieds humains, des bottes armurées, mais d'une couleur un peu or ou comment cuivré, contre un meuble quoi. Qu'avec mon sens de l'orientation, j'ai moyen de savoir où je suis à peu près sous la ville. Tu vois, avec le chemin qu'on a parcouru. Ouais, allons-y. Donc je te fais un geste, imagine. Hop, sous 44. Quelque chose. Pour la justesse de la prédiction. Ça passe pas, mais je vais utiliser un point de fortune. Parce que je suis vraiment curieux de savoir où on est. Eh bien, c'est un échec. Bah, c'est un 100. Alors. Mais c'est un échec critique, pas sur les échecs qui sont autres que du combat, cher ami. C'est vrai. Terrible. Bon, c'est bien que j'ai viré ma guigne pour le combat qui arrive. C'est pas mal. Tu sais que vous avez fait un petit peu de route, mais difficile de dire même dans quelle direction, parce que ces agencements étranges et cette non-continuité de galeries, hein, que normalement on construit droit, puis on peut dire à droite, troisième place, ça n'a aucun sens. En termes de niveau, et de tu sais même pas où est le nord, là, malheureusement. D'accord. Logique. Mais c'était très bien, parce que je pense qu'on remontera par là quand on aura fini l'expédition. Parce que je suis trop curieux, moi, je sais pas vous, mais je dis je redescends, je fais un signe de chute, tu vois, pour pas qu'il parle trop fort, vu que j'ai vu des bottes. Je sais pas, c'est fermé par un verrou, et j'ai vu des bottes de quelqu'un armuré en or. Alors, tu vois qu'elles ne bougent pas, hein, et qu'en fait, il s'agit... qu'elles ont l'air ou posées là, ou c'est une armure... Ah oui, d'accord. Décoration. D'accord. Je dis, y a personne, mais il y avait des... Enfin, ça avait l'air d'être des trucs de qualité quand même, du coup, si c'est doré. Ouais,
et d'une fac et un peu enfin bizarre. T'as pas reconnu le modèle. Même pas. C'est... Même pas. C'est d'accord. Antique, un truc. Ah bah il y aura peut-être l'épée de Bébert là-dedans. Et si, mais je lui dis pas ça. Et si on doit si on doit partir précipitamment, ça peut être une bonne issue. Est-ce que on essaierait pas de péter le cadenas? Péter le cadenas, on peut essayer. Hein. On peut essayer. Est-ce que je pense que c'est faisable? Non. Bah là, peut-être Ilza. Non, personne n'a la compétence de crochetage, donc effectivement, il s'agirait d'un jet de force. Est-ce que tu vas faire céder avant le cadenas lui-même? C'est plus ce qu'il y a autour, quoi. Le bois, ouais, en fait. Ouais. Mais ça va faire un barouf du diable, quoi. Ça va faire du bruit. Ouais, donc c'est peut-être pas... Est-ce que... Ok. Oui, non, tu m'as dit... Ouais, c'est un cadenas. C'est un cadenas, c'est pas une chaîne. J'ai une question. Est-ce que... J'ai une idée. Je commence à me poser un truc, là. C'est... Est-ce que... La bête qu'on est en train de pourchasser n'est pas seulement qu'une simple bête et avec un maître qui la gère, quoi. Après, vous êtes aussi, en tant que chasseur de vampires, vous avez la conscience que même un vampire monstrueux reste un être intelligent, qui a eu une vie d'avant. Enfin, il peut avoir une maison, là ça peut être chez lui. Enfin, voilà. Ouais, ça, non, mais voilà, c'est une question qui se pose, quoi. Ça peut être une personne intelligente, mais se faire quand même manipuler aussi, non? Ouais, aussi. Oui, moi ce que je vous propose, c'est, tu m'as dit c'est pas une chaîne, c'est un cadenas. Hein. Ouais, il doit y avoir un anneau de fer sur la trappe, un anneau de fer dans le sol, tu vois, et le cadenas relie les deux. Quoi. Ok, donc je peux pas. J'imaginais si c'était une. En fait, ok, j'imaginais si c'était une chaîne, en fait, tu vois, entourer ma hache et faire tourner pour faire pression et faire le moins de bruit possible. C'est pas possible. Là, tu peux pouvoir aussi le mettre dans l'anneau. Ouais, et puis faire la même chose. Ok, donc éventuellement, je dis voilà. Ouais, mais le player, c'est ça, okay. Ce serait pour éviter un peu de bruit. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue à explorer l'égout. Parce que si on trouve rien. Parce que quand même, s'il y a un tel charnier. C'est étrange, ils doivent avoir des odeurs en plus. Et que quelqu'un... Bah ouais, c'est des odeurs de malades qui doivent remonter. Les personnes ont dû forcément ouvrir ce truc. Et est-ce qu'on tenterait d'un simple cadenas enfin... Bah pour pas être envahi par les... conneries, tu, l'abandonnes carrément, cet endroit, quoi. Sauf qu'il était pas abandonné, tu as vu peu de lumière. Donc c'est quand même louche. Que... Ouais, oui, mais faut qu'on y aille, quoi. Voilà, et puis c'est tout, quoi. Mais est-ce qu'on le fait maintenant ou est-ce qu'on explore d'abord et on remonte après? Bah, on peut tenter d'aller un peu plus loin dans la suite, là. Oui, faisons ça. Ok. Merde, je cherche le nom. L'égout. L'égout, merci. Dans la suite de l'égout, pour au moins se faire valider que. On n'a plus d'autres pistes en continuant là-bas. Après, le truc, ce qu'on suivait, si je dis pas de bêtises, la première fois qu'on est venu, c'était des traces de sang. On va voir assez vite si on a toujours des traces de sang à suivre au sol, à passer cette espèce d'alcôve, quoi. Pas de suspense très long, effectivement, les traces, vous n'en trouvez plus, une fois dépassé l'accès. Par contre, vous entendez un écoulement d'eau, et puis vous retrouvez un conduit d'égout plus en état et fonctionnel. Alors après, avec les marées et tout, les canaux et tout, je suis en train de me dire que les égouts, ça marche, je sais pas comment ils se démerdent, mais bref, au niveau des niveaux, justement, on s'en fout. Et vous entendez peut-être des bruits de ville, donc je ne sais pas, ça pourrait servir à ça de pousser dans ce sens-là, c'est localiser où est-ce que vous êtes. Y a-t-il du coup des bruits, genre une espèce de plaque ou un accès, une grille et avec un peu de lumière lorsque vous rejoignez les égouts, puis vous y voyez passer une carriole, puis des passants. Ce matin-là, vous entendez les bruits de la ville, c'est classique. On comprend déjà qu'on n'est plus dans la zone en quarantaine. Et puis en quarantaine, ouais. Qu'est-ce que vous pourriez voir depuis la grille un peu de significatif? Est-ce qu'on peut pas avoir un pont qui nous indiquerait où on est? L'enseigne d'une auberge, d'un bottier, d'un... je sais pas... Oui, bah, voilà.
En fait, vous êtes dans le quartier qui jouxte le Doute Canal, à savoir le Winkelmarkt. Vous êtes déplacé vers le nord-ouest. Okay. Enfin, nord-ouest, quoi. Et, Donc par là, quoi. Attends, ok, intéressant. Allez. Ok. A priori, dans les sous-sols d'une bâtisse de ce quartier. D'accord, très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire rapido sur le Winkelmarkt? En deux mots, c'est Winkelmarkt. Marché des artisans. D'accord. C'est ce que ça veut dire, Winkelmarkt. Construction de petites... spécialisée construction de petites embarcations réputées pour ses saucisses. Super. Un bon quartier. Classe moyenne inférieure, quartier en déclin. D'accord, quand même. Marqué sur la grille de... c'est... Que faites-vous, chers amis? On va... Après, vous pouvez effectivement le prendre... Ouais, parce que si on arrive à repérer la maison, on peut rentrer par la porte d'entrée et descendre dans la cave. Et... Ouais, tout dépend de la distance qu'il y a à parcourir entre la sortie et la cave, tu vois. C'est ça. Est-ce que vous voulez tenter cela? Au risque de laisser passer un peu de temps, hein. Là les goules sont mortes. Ouais, moi j'ai bien envie de monter comme un sauvage et d'aller défoncer ce qu'il y a dans la maison. On tente? Bon bah on tente, allez. Si ça vous va. Ouais. J'en ai marre de réfléchir en fait, tu vois. C'est bon. Ça fait mal à la tête, voilà. Une minute, il est... Putain, on aurait quand même dû réfléchir. Ouais, c'est ça. On aurait quand même pu arriver. Il va se prendre une giclée de poison sur la tronche. C'est pas grave, tant pis, j'assumerai, ce sera la fin de Thorgrim. On pense passer outre le cadenas par le moyen que tu nous as décrit. C'est ça, en fait, c'est faire une espèce de presque de manivelle et en reprenant l'adage « Donnez-moi un levier, je vous soulèverai le monde », tu vois, mais c'est la même idée, quoi. Okay. Faire un truc qui tourne et ça y a assez de force pour arracher le bois, quoi. Donc il va s'agir d'un jet de force, mais la réussite n'est pas... Enfin, tu réussiras quoi qu'il arrive. Par contre, le degré de réussite ou d'échec nous en dira plus sur les contre-coups en termes de bruit okay. et de réaction de ce qui vit au-dessus. Ok. Option, difficulté, inférieur ou égal à 39, je crois. Pas de bonus malus. Avec mon idée d'Archimède là. Non, là, vu que tu. Là, ça serait plus sur le. Ouais. Non, là, c'est. C'est vraiment le bruit que je vais faire que ça. Ouais. Eh bien, ça passe. 29. Ok. Sur 39. Par contre, je me suis gouré dans le. Oui, tu t'es gouré dans le truc, ouais. Après, moi, j'ai que supérieur ou égal, en fait, là où ça devrait être inférieur ou égal, c'est chelou. Ce qui cède, du coup, c'est bel et bien le cadenas. Et il cède au niveau de son mécanisme, du coup, comme si tu avais vraiment forcé sur l'ouverture et il n'y a pas de craquement et tout, il y a vraiment juste un déclic assez fort et ce petit bruit métallique bon, qui va quand même résonner un peu dans la cave en dessous de vous et un peu, voilà, vous fait tous lâcher peut-être un petit paix de peur, comme ça. La on classe. Est dans l'épique, hein, c'est l'épique. Oui, la classe. On vient de buter trois goules, on est en train de se battre contre une triche. Mais le champ est libre, a priori, il n'a pas provoqué de réaction au-dessus de vous. Je savais que vous pouviez compter sur moi, mais je suis un peu rassuré quand même. Écoute, je vais passer en premier. Évidemment, faire un petit tour rapide. En fait, je vais même pas sortir tout de suite, c'est que je vais ouvrir plus grand. Mmh. La trappe et jeter un œil sur ce que je vois. Ok. Donc tu vois que tes yeux de Nyctalope te sont bien utiles, puisque la lumière est quand même extrêmement faible et elle provient d'un dessous de porte, quelques marches plus haut. D'accord. Provenant a priori d'une autre pièce, quoi. Il y a de la lumière dans une autre pièce, ce qui te permet un peu de voir l'ensemble. Et par contre, là, tu es vraiment dans une espèce d'une réserve, une cave propre. Le sol est sec, hein, des grosses dalles de pierre au sol. Autour de la trappe d'où tu viens okay. Et au mur et autour de toi il y a l'air d'avoir une table avec tout un tas de paperasses bizarroïdes. Tu vois que ce que tu avais vu c'est une espèce de support à armure, mais c'est une vieille armure exotique humanoïde, mais tu n'en connais pas la culture, pourtant toi nain ouais, enfin, bref, ça me parle les armures quoi. Okay. Ouais.
Et il y a d'autres artefacts un peu archéologiques, quoi, à droite et à gauche dans ce lieu, quoi. Ça sent la personne cultivée qui a fait des trucs chelous, quoi. Bah, je vais monter, aider Ilsa et Roland à monter à leur tour. Ouais, donc ils vont assister à la même. Ouais. Et je pointe les papiers surtout à Ilsa, parce que bon, la lecture et tout, et moi, on fait deux, tu vois. Ouais, bah moi, regardez ce que c'est. Je me précipite presque, essayer de trouver des traces de qui peut habiter là. Et je montre l'armure à Roland. Est-ce qu'on trouve des traces de notre strige? Oui, est-ce qu'il y a du sang et tout? Bonne question. Il doit y en avoir un peu devant l'ouverture de la trappe, mais après, on maintient ce lieu propre, même si l'odeur vous remonte par bouffée complète, et ça n'a pas trop de sens, quoi, de vivre dans un lieu pareil. Effectivement, ça pue la mort directement en dessous, ça n'a pas l'air de gêner la personne qui vit là, mais il y a quand même une notion de rangement et de propreté autour, à part la plomb directe de la trappe. D'accord, donc il y a quand même des traces de sang de notre côté de la trappe. Ouais. Ok, donc oui, donc on est sur le bon chemin. Ilsa, toi, tu vois qu'il y a tout un tas de vieux manuscrits. Il y a aussi un espèce de journal avec des notes compilées d'une main, d'une écriture un peu savante. Hein. Tu as de quoi écrire aussi à disposition sur la table. Il y a des cartes. On va faire un petit quoi, connaissance générale. Ouais, mais putain, on n'a pas connaissance générale. Connaissance générale Empire, langue Rixpel, Antiléen. Lire et écrire. Ah bah si, on peut faire un peu... Fais-moi un empire, si tu veux. Je vais faire ça. Empire. Etsu 46. Ouais. The Russie. C'est beau en plus. Tu y reconnais quelques artefacts et quelques traces dans les noms écrits de vieilles tribus pré-impériales, justement. Les noms de tribus qui ont composé l'Empire et qui sont à l'origine un peu de la répartition des grandes provinces impériales, et donc tu vois, ouais, les hommes Berogen, les noms de vieilles tribus humaines qui peuplaient les terres impériales, la personne qui vit là a l'air de grandement s'intéresser à tout cela, mais à un niveau il y a des vieilles armes, enfin en tout cas ce qu'il en reste, hein, un peu comme si vous étiez dans un musée d'archéologie là. D'accord. Ouais. Est-ce que ça parle de ghouls et de striges ou pas? Non, par contre, il n'y a rien sur les morts vivants ou sur. Ok. On trouve un nom. Est-ce que je trouve un nom Est-ce qu'il n'y a pas une note signée par un gars ou un mec qui parle de lui à la troisième personne ou des initiales ou un truc Là, c'est un peu subsidiaire bonus. Je pourrais faire avancer plus vite. Un jet de fouille. Et pour tout ce qui était, tu disais les armures, les artefacts, tout ça, il y a rien qui peut faire penser à des armures nobles et tout ça, des blasons, des choses comme ça, tu vois. Clairement, pour voir si mon héraldi peut. Ah bah à fond, oui. Pour le coup, je vais faire alors un petit jet d'héraldi aussi. Pas grand chose, mais bon. Qui sait? C'est jamais, sur un malentendu. Ouais. Ah bah oui, oui, ça passe. C'est beau. Putain, tu n'en crois pas tes yeux, il y a effectivement un vieux bouclier avec un signe antique, mais le bouclier est à moitié bouffé, corrodé. Tu sais même pas quel métal, un vieux fer à l'époque où c'était même pas trop maîtrisé, peut-être. Bref. Et. Ce vieux sigle représentant un peu comme un triskel, donc tu reconnais là un vieux sigle, j'allais dire celte, mais non, bref, pré-bretonien, donc peut-être les tribus qui peuplaient la Bretonnie avant que le roi Louan ne l'unifie. Tu as lu, gamin, où tu étais bercé par les contes de l'histoire de Landrel, un vieux roi. Qui a été maudit a priori et dont le tertre de Landrel est un lieu haut en comment dire
couleur en ce qui le fait naître tout un tas de rumeurs et de légendes. Et ça serait un vieux roi appartenant à une tribu ancienne, voilà, pré-bretonienne. Son tertre se situe dans une province, la province de Couronne, mais du côté, je ne sais pas si on a... Ah, peut-être qu'on va le voir sur... Bref, en tout cas... Ah bah oui, il est là, Landrell Borough, ce tertre-là. Il n'est pas si loin de Riambourg, en fait, quoi. Il est sur la province Couronne, quoi, province bretonienne, là. Vous voyez ? Ah ouais, carrément. Attends, j'y vais. Et pour ceux qui ont regardé la précédente juste campagne... À gauche de juste au-dessus, Chuchot, à droite. Là, ok. Voilà. Et la Wickel, c'est un peu à gauche de ta flèche. Oui, non, j'y vais. Et oui, et donc c'est en méta, c'est l'immense donjon qu'on s'était fait avec l'autre équipe de bras cassés, là, le tertre de l'André, parce que certains ont eu. Bref. T'as fait un jet aussi, Elsa, de fouille ou... De fouille, non, pas encore. Je jette sous 23. Oh, 3 ouais. Incroyable. Ouais. Bah... Et on est des enquêteurs, hein. Ouais. Ouais. C'est vrai. Et ben, ça va te permettre de corroborer tout cela, puisque en fait tu tombes sur le journal de fouille en fait, et d'expédition d'un certain Waldred Adelof, qui se revendique aventurier et savant, et qui se passionne du coup, enfin bref, et qui compte un peu à la troisième personne. Sa recherche autour du personnage de Landrell, un humain aux ambitions tellement démesurées qu'il en est allé chercher dans des coins pas très clairs pour acquérir du pouvoir, et qui se serait a priori adjoint l'aide d'un personnage étrange venant de royaumes loin au sud. Bref, et son histoire, et voilà, et en feuilletant rapidement, tu comprends qu'il a recherché pendant des années et qu'il a finalement localisé l'endroit et qu'il y est allé. Mais le livre s'arrête, en tout cas ses notes s'arrêtent lors de la découverte du lieu et de son entrée avec une équipe d'explorateurs dans le tertre. Par contre, le journal est revenu jusqu'ici, quoi. D'accord. Donc, Waldred Adelof. Oui, ça fait plein de noms, mais là, c'est l'explorateur en question. C'est un nom qui nous parle à Marienbourg ou pas, ça ? Non. En plus, je pense que depuis vos points de vue, c'est pas trop des gens que vous auriez pu... Ouais, ça fait pas partie des grandes familles nobles, quoi. C'était ça, ma question, surtout. Non. Et un autre petit truc, est-ce qu'on remarque, en plus de tout ce qui est ce qui a l'air d'être exposé, s'il n'y a pas des objets ou des vêtements ou des trucs qui ont l'air d'être... couramment utilisé, un truc sur lequel il y aurait moins de poussière ou tout a l'air plutôt utilisé. Il y a rien à l'abandon là. Hein. Tu vois que c'est pas cave poussiéreuse. Et alors que tu dis ça, ouais, toi aussi tu dépends de ta lumière, mais tu vois le trait de lumière de l'autre côté de la porte et vous voyez comme si quelqu'un venait de passer là, hein, et un bruit de couvert. D'accord. Comme si il y avait du mouvement dans la pièce d'à côté, quoi. On va provoquer une petite crise cardiaque, c'est pas grave. Ouais. Tayo ! Est-ce que c'est fermé par un... Est-ce que c'est fermé par un verrou ou pas ? Là, comme ça n'a pas l'air. Vous voyez, tu vois un loquet, mais quoi, que tu peux soulever, quoi, pour ouvrir la porte. Une solide porte. On va arriver dans un resto et il y aura de la viande rouge au menu, enfin, de la viande blanche, je sais pas. Ouais. viande de goule. Bon, par contre, ouais. C'est de la bagarre, quoi. 19h08. Bah, let's go, hein. Eh ben, on ouvre la porte. Bonsoir. C'est bonjour. Oh, welcome. Ok, donc c'est pas et qui va dans l'embranchement. Bah, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à faire avant le bordel. Bah, non. Dans cette pièce. Personne ne sait se soigner, faire des trucs. Hein bah, si. Ah, ouais, c'est vrai qu'il y a moyen. Merci, MJ. attends, laisse-moi inspecter cette blessure, Roland. Que je n'avais pas du tout oublié. Après, il se plaint pas. Hein. C'est vrai qu'il se plaint pas, ce bretonnier. C'est un homme. J'ai pas mal.
Non, il est pas mal. Pourquoi ça pue le venin? Ce qui me fait le plus mal, c'est d'avoir perdu mon épée. Bah ouais, t'as perdu pas mal de points de vie. Je peux. Bah c'est pas super. Ah, c'est sympa comme discussion roleplay, ça, dis donc. Ouais, bon, c'est bon. Il a dit, il est 19h08, climax le MJ. Alors, hein. Oui, mais. T'as l'air d'avoir pris cher, tu vois. C'était pour perdu pas mal de PV, ça. C'est beau. Je vais tenter un jet de soin sur. Pour rester RP, je vais faire un jet de soin sur Roland. Ouais. C'est quoi, ouais. C'est soin des animaux? Est-ce que... Attends. J'ai soin. Ça tombe bien parce qu'il semble que tu sois médecin de carrière. J'ai soin. Est-ce que je peux. Est-ce que je peux faire de la chirurgie sur lui? C'est-à-dire le recoudre? Hein? Non. La chirurgie, elle vient intervenir sur les dégâts graves. Okay. Ouais, ouais. Là, tu te restes plus de 3 points de blessure. Cher. Oui. Oui. Okay. Oui. Qu'on soit d'accord hein, sur les soins. Merde. Mais voilà, si ça te fait plaisir, tu peux venir le suturer en termes de RP. Non, il me semble que c'est sur les dégâts vraiment graves. Ouais, ça permet si t'es gravement blessé, t'aurais récupéré 2 points au lieu d'un. Pas de bonus au jet de soins simples, par contre. J'ai un, je prends. Donc je t'invite à faire un jet de soins, cher. Let's go, je jette sous 56. Pas mal ça. Il me reste un point de fortune. Il est où mon bras là? C'est ça. Au secours, il m'a retiré mon bras, il voulait le remplacer. Il m'a mis le bras de l'enfant à la place, au secours. Je relance, j'ai plus de points de fortune. Ah bon? Quelle là? Ah, bah, c'est raté. Mais de moi. Ah oh, yes. Bon, bah, je peux rien faire ici, on n'est pas dans les bonnes conditions, Roland. Ah, et surtout, il s'agit d'une multiplicité de blessures légères et ouais, les chairs ont l'air d'avoir un peu souffert plus du poison et infligé par les griffes quoi, que vraiment des entailles. Et ce disant, donc, vous vous présentez devant la porte, quelqu'un se trouve de l'autre côté, juste. Ouais, et est-ce que c'est en mode SWAT ou c'est en mode Scred? On a entendu, SWAT, on a entendu des bruits de couvert, t'as dit. Ouais, ouais, comme SWAT, si quelqu'un mettait la table ou. Enfin, ouais, ou bougeait des affaires, un bruit assez classique dans une maison. Je sais pas. Ouais, ouais, écoute, en mode SWAT, moi je suis chaud pour le mode SWAT, non? Ouais, bah alors, juste avant de faire le SWAT, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a moyen de. Non, mais est-ce qu'il y a moyen de voir déjà. Deux et. C'est à 1 ou à 0 qu'on y va. Non mais c'est comme tu disais, c'est une porte, tout ça, c'est juste un petit loquet, voilà. Mais ouais. Est-ce que la porte est vraiment bien on peut pas voir à travers des petites interstices Il y a cette lumière là. Une belle porte. Au vu de vos niveaux de perception, tu peux essayer de tenter un jet de perception sous la porte. Ouais, vas-y, j'essaye pour le. Attends, j'ai rien en plus en perception, donc j'ai pas trop de chance de réussir un truc, mais. Perception. J'ai 14. Donc Voilà, c'est pour ça que je te le permets, du coup. Ah, j'aurais presque pu. Non, bon, bah, putain, je vois rien. C'est, ouais, c'est une porte solide et bien faite. Okay. Bon, j'ai fait bon, coup, voilà. C'était juste pour voir si on pouvait se préparer. Bah, si Maître Nain, vous souhaitez y aller par la force ou on essaie d'y aller discrètement? Bah, je vais ouvrir le loquet et puis je vais faire SWAT quoi. J'ai envie de mettre un grand coup de pompe dans la porte pour surprendre tout le monde. On ouvre la porte, dit bonsoir, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? C'est pas vraiment le SWAT ça! Le SWAT il arrive pas à toc toc toc, salut les gars, bonjour! Mais quel est donc ce SWAT que nous vous parlez? Je ne connais pas. C'est une unité de nains d'élite. c'est les super warriors. On est super warriors. Ouais, bah, comme vous voulez. Si vous voulez qu'on ouvre la porte, simplement, ouvrons la porte, simplement. Si quelqu'un essaie de s'échapper, Très bien, j'ouvre la porte. J'ouvre la porte, vas-y, c'est bon, ça me saoule. J'ouvre la porte. Pas en mode SWAT. Brusquement. Comme ça. Mais pas en mode SWAT, tu vois. D'accord. Donc avec un bras plutôt qu'avec le pied, quoi. C'est ça, je mets pas un grand chassé dans la porte qui va rebondir et me revenir dans la gueule, tu vois. Les deux autres, vous êtes juste derrière? Oui, je veux dire. Ouais, bah ouais.
Ok. Tu ouvres la porte. Oui. Tu vois que la. Bon, bah, ce que tu vois tout de suite, en fait, c'est. Tu rentres dans une espèce de grande pièce assez bien achalandée. Ok, super. Wouhou, hein, le goût de la déco était super, les gars. Dans une, je sais pas, une salle à manger type quoi. Par contre, tu vois clairement que les fenêtres, enfin la lumière n'est que artificielle alors que c'est le matin, quoi. Tu sais, hein, tu sais l'heure d'être rentré. Donc les fenêtres sont occultées de la lumière du jour et te tourne le dos et se retourne surpris. Du coup, une créature monstrueuse, la strige chez elle en pleine. C'est vrai. Oh, le feu. Bah, je lui saute dessus, je vais lui casser sa main. Comme ça. Et tu la vois, du coup, elle fait bien, ouais, 2m30. Et ben, je lui saute dessus. Dans une espèce de grand peignoir à moitié déchiré, quoi. Et je lui saute dessus et je lui casse sa gueule. Tu vas être déçu, cher Axel, mais je crains que ce soit pour la prochaine fois. Non, c'est sérieux. Alors, par contre, on l'a surpris, hein, donc il faut qu'on se rappelle qu'on a une attaque de. Voilà, opportunité, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai une question avant. Non, je suis bègue. Que c'était occulté, mais occulté comment? Genre par des volets ou par, Oh, il y a des tentures violettes avec des petits papillons dorés. Non, mais c'est peut-être des planches clouées ou des trucs comme ça. C'est ça, parce que je veux savoir en fait comment c'est. En fait. Bah, on verra tout ça lors de l'entrée dans la grille. Vous surprenez du coup un strige en peignoir. Toujours plus d'épicness. Trop bien. Trop bien. Ok. Eh bien, voilà pour l'épisode 7 de Warhammer Vampire Slayer. Et on a enfin découvert où se trouvait le strige. Ouais. Après 10 épisodes. Ah, je m'attendais à trouver un espèce de nid, tu sais, ou un truc comme ça. Et non, dans sa petite maison. Après, bah, ils avaient prévenu hein, que c'était intelligent et tout. Donc, Oui, d'ailleurs, c'est intelligent au point de... Potentiellement, ça peut être une cible au long cours, hein, qui fuira. Hein ou... Non. Oui, on verra. Ouais, 8 on verra épisodes, ça suffit. Que... Hein. Parce que 3 ghouls... Roland a eu chaud. C'est parce que vous aviez décidé de rater tous vos jets aussi. Bah, c'est vrai que le tour où ça a réussi, vous les avez réglés. En vrai, une fois qu'on a commencé à réussir, c'était réglé en 2 tours, tu vois. Mais effectivement, si tu rates tous les. Bon, après, c'est Warhammer, donc oui, tu peux rater tous les jets. C'est aussi le jeu du truc, quoi. C'est ça. Mais oui, c'était. C'était cool en vrai. Putain, ça me fait plaisir de rejouer à Warhammer avec vous. Ah ouais, ça m'a fait trop plaisir de rejouer. Ouais. C'est quoi du coup prochain rendez-vous? Cette semaine, ça nous emmène. Alors, on se dit au mois de mai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça nous emmène au 2 mai. Est-ce que vous êtes chaud? Non, mais normalement, dimanche prochain, il y a moyen. Je suis dispo la semaine prochaine. Ouais. De toute façon, nous sommes confinés par chez nous. C'est... Oui, moi, mais fais une attestation pour aller voir. Non, mais je vais y aller mercredi, je pense. Contre nos vies. Enfin... Bon, bah, merde, on est en live, pardon. La suite à fond. Bah déjà, ouais, demain, si ça vous dit, Samuel Zitterman qui lance la campagne de. Oui. Spy. On est dessus. Nous serons Axel et Wam. Et puis le lendemain, saison 2 de. Putain, on se va se voir tous les jours. Oui. Aussi. Ouais, de ouf. Ça me plaît bien, moi. De Berlin 18. Voilà. Eh ben, chalut. Salut tout le monde. Shabbat shalom, non ça, Shabbat shalom. Garder la pêche, quoi. Putain. Ouais. Il faut. De ouf, mais ouais, soyez bien, quoi. Fort. Et les Lyonnais qui nous regardent, allez casser la gueule des anti-défas, là. C'est bon, défas, font de mal. Oui, t'inquiète. Suffit. Sur ces bonnes paroles. Allez. Des bisous. Salut. Des bisous.